Regardez cette vidéo sur YouTube, bonjour, c'est Telkino, bienvenue ici, c'est l'épisode numéro 3 de Stasis. On s'était arrêté, on avait réussi à aller vers le centre médical, je crois, en rentrant dans une boîte. Une boîte de livraison, en fait. Et on s'était arrêté juste là, en fait. Est-ce que c'est le jeu du magicien fou? Non, Steph. Il s'agit de Stasis, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on dirige un personnage ici là, qui s'appelle John Malachek, je sais même plus, John M, qui était en stase dans une capsule de stase cryogénique ou autre, et en fait sa capsule s'est fait capturer par un vaisseau. Il est dans ce vaisseau là justement, apparemment les gens du vaisseau font des expériences sur ces gens en stase qu'ils appellent des produits, et voilà, il s'est réveillé parce qu'il y a eu un problème technique, et là en fait il essaie de retrouver sa fille et sa femme qui étaient probablement en stase avec lui en fait, et voilà, donc on n'en sait pas plus, à vrai dire, hormis qu'apparemment ils font des expériences bizarres. Tous les gens ont l'air d'être morts. Il y a des créatures qui ont été faites à l'aide de gènes humains et bizarre. C'est bizarre, voilà. On est quel jour? Hier, t'as joué que au magicien fou. Hier, j'ai pas stream, Steph. J'ai stream mardi. Effectivement, on a joué à Verbis. C'était il y a 2 jours, voilà. Et qui nous fait une pause, faut que j'aille pisser. Lol, pantoufle. Ce sera demain, Verbis. Ce sera demain, vers, je sais pas encore trop l'heure, 22 ou 23 heures. Voilà. Blackie, ça marche toujours pas? Je suis désolé. Je me donne envie de taper des barbares sur Total War Attila tellement c'est frustrant. Tu parles de Verbis, ouais. Bon, allez. Ok, alors, on est arrivé ici. On a... la boîte, lueur infernale de l'éclairage n'est pas très rassurante. T'es peut-être perdu, Steph, effectivement. Pourtant, c'est pas très compliqué, hein. Attention. Tube de déchargement de spécimen. Les mots suivants sont inscrits sur le côté du tube spécimen réception. Ah oui, c'est un point and click, hein. C'est un jeu d'aventure point and click. Donc, si vous attendez à de l'action et des tirs de flingue ou des obéquinous, c'est pas le jeu. Essaye de la dernière chance, je tente la magie des navigateurs. Essaye de changer de navigateur, peut-être aussi, Blackie. Ça pourrait peut-être marcher, je sais pas. Terminaux désactivés, ces terminaux contrôlent différents composants de cet appareil et sont malheureusement tous hors d'usage. Ok. Donc, alors, quand on a un œil comme ça, c'est qu'on peut regarder quelque chose, et quand on a une petite main qui fait ça, ça veut dire qu'on peut actionner, agir sur quelque chose. Si lui faisant l'objet d'un accès restreint. De précautions ont été prises afin de sécuriser ces câbles dénudés. Ok, on va avancer. Tu veux de l'action? Eh ben, mauvais stream, Steph. This is strange. I'm not reading any PDTs in your area. They should remain active. Even on the Tell me, John. Why are you working with this jackal? Dr. Milan. Ah. She's been talking about me. Look, I'm nobody. I just want to find my family. With our family, man alone in the world. The impulse with the cult. Are you threatening, John? Because make no mistake. J'ai rien dit pour l'action, hein. Much as you do. We're in this together.
J'allais profiter pour aller chercher à manger. Repantoufleur. Becky, c'est le dernier espoir, le diable en personne, Internet Explorer. Lol. Non, mais ça peut aussi marcher si elle ouvre deux sessions, en fait. Sur un même navigateur aussi. Bon, sur deux navigateurs différents, ça peut marcher aussi. Sauvegarde après le pitch, Elki. Non, bah, je vais pas sauvegarder maintenant, on vient de commencer. C'est pas comme si tu connaissais le jeu, Koima, et que tu savais qu'il allait nous arriver un truc juste après. Hein. Je pense pas, hein. Je pense pas, quand même. Voyons. Tu ne nous ferais pas ça. Ok, on a un distributeur de Juca-Cola. Qui a renversé ce distributeur? Peu probable que ce soit un employé. Ce qui est clair, c'est que Kane Corporation vendait ses sodas à prix d'or. Bon vieux Juca-Cola, interdit dans plusieurs colonies, se puissant concentrer de sucres stimulants et totalement addictifs. J'en veux un. Ok, y a... c'est un peu sanglant là. Grenade. Grenade. Si je pouvais, ouais. Trace de sang, il n'y a pas un seul cadavre parmi les débris. C'est pas comme s'il y avait une énorme trace de sang au sol aussi. Non, c'est sûr. En même temps, on n'a rien fait avant, je sauvegarderai. Au pire, on se retape le dialogue. Allez, je vais sauvegarder. C'est ça qu'on fait. Pour faire plaisir à Koima. Là, s'il te plaît. Oui, merci. Faire plaisir à Koima, puisqu'on va mourir apparemment, donc... les murs sont maculés de sang rouge sombre, mais le plus inquiétant reste l'ambiance des Maccabées dans ce tableau funeste. Ok. Du sang, mais pas de corps, bah oui. Vous croyez que le corps a explosé, ou alors... c'est... une très grande force qui a fait... 16% GG, non. Qu'est-ce qu'on a là? On peut zoner. Donc ça, on peut actionner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que des humains dans ce moment. En fait, il y a des créatures bizarres, barricades, mais elles sont... Certaines ont une base humaine, en fait. Ils font des expériences bizarres avec l'ADN. Les câbles et les fils rattachés au mur pendant le vide. L'ingénieur a dû interrompre. A dû être interrompu en pleine intervention. Ok. Bien. Bah, avançons. Voilà. C'est bien, je voulais l'achievement. Je pense que tout simplement quelqu'un ou quelque chose a pris les corps. C'est possible. Ou alors, Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il me... Pourquoi est-ce qu'il me recharge pas là où j'ai sauvegardé? Espèce de jeu, quoi. Ok, donc on peut pas avancer. Sur nous, on a pas d'objet. C'est pas mal. Bon app. Dardière explosive en s'en décennie. C'est peut-être ça. Ouais. On peut aller par là? Non, on peut pas aller. Ah putain. En même temps, est-ce que... Vas-y, mais... Mais pourquoi il me... Sérieusement? Attends, est-ce qu'il va, il va me remettre le... Peut-être pas, il va peut-être pas me remettre le dialogue, en fait. Ah, si. Si. Et on peut pas passer. Ah là là. Ah là là, on peut pas passer les dialogues, c'est bien ça aussi. C'est des aliens qui crachent des grenades avec une diarrhée explosive. Je me suis tapé une dizaine de fois le pitch, je savais pas qu'on pouvait sauvegarder. Ah, ok, Koima. En même temps, après, s'il faut recharger, c'est chiant, il ne remet pas là où il faut, quoi. Et je compatis, Koima. Je compatis. Alors, je pense qu'en fait, il faut passer... à mon avis, il faut faire le tour par le haut, par derrière les... Les machines, je pense. Hein. Ou alors il y a quelque chose dans la salle d'avant, effectivement, barricade. C'est possible aussi. J'aimerais que ton perso est invisible. Non, il est pas invisible. Il est juste dans l'ombre. John.
This is happening because of him. He did all of this. This is all too much for me, too. I'm just a school teacher. But I want to find your family as much as you do. We're in this together. Le jeu, tu peux pas vassaliser là. Ouais, c'est un peu abusé ça. C'est un peu abusé. Donc, il y a une caisse là. Non, 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 non. Tu vois, il est là en fait, Steph. Il est juste. Le jeu est juste super sombre. Et en fait, il y a pas. C'est le seul reproche que je ferais à ce jeu, c'est qu'il y a pas d'option. Tu peux pas agrandir la police de caractères. Tu ne peux pas augmenter le gamma ou baisser le gamma. Tu ne peux pas changer la résolution du jeu. Tu ne peux pas le mettre en. Si tu peux le mettre en fenêtré, mais c'est en 720p. Voilà, c'est le seul truc qui est dommage. Mais autrement, le jeu, pour moi, je kiffe. L'histoire, je kiffe. Les graphismes, j'adore. J'ai fait une bonne soirée, les coquillages. Ça marche, Noah. Tcho tcho. Est-ce que je peux passer? Genre tout doucement. Tout doucement. Si ça fait pas flipper ça, ça. Ah là là. T'as peut-être raison, quand tu regardes les tourelles, ne regarde pas derrière elles, elles ont pas l'air de faire 360 degrés, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, ou alors c'est parce qu'on y est allé tout doucement. Et peut-être qu'elles bougent au détecteur de mouvement. Je vais essayer une deuxième fois. Est-ce que... Never liked your Détecteur de mouvement. Ah, c'est super glauque là. C'est super glauque. Oh là là. Ça me fait penser à encore un vieux jeu, à Beneath of the... Oh, Beneath a Steel Sky, je crois, le titre exact. Ouais, je l'ai fait ce jeu-là il y a super longtemps. J'ai adoré, Mishmish, j'ai adoré. Tu fais toujours des jeux dont je comprends pas l'histoire et autres. J'aime ça à comprendre, donc j'aime tes lives. Merci pour le compliment. Pourtant, j'explique. Je t'ai expliqué le scénar, Steph. Je t'ai expliqué. Après, je demande à Ripley, il avait l'air tout nu quand t'es tombé. Non, mais non, il est pas tout nu, il a une combinaison en fait. Donc, en tout cas, on a niqué les tourelles, j'ai l'impression. Enfin, j'espère. Juste une, en fait. Juste une. Ouais, juste une. Jukakola, Nukakola, ça fait un peu penser à ça. Je réussis pas les trucs au pif, je clique là où on peut actionner. Mais non, je suis passé par derrière. Bah, tu vas voir ton replay, Pomme. Ah non, 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 putain! Non, 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 non! This is strange. I'm not reading any PDTs in your area. They should remain active. Even on a day. Tell me, John. With this jackal. De rien, Pomme. Notaire, il est tenu, j'ai vu. Bon, on va le savoir, mais. Bon, donc, c'est le moment de regarder si vous avez des SMS, hein, les gens. Moi, j'en ai pas. Ah, par contre, j'ai une action à faire sur Star Wars Heroes. Je sais pas si je la fais maintenant. Ouais, j'ai le temps, hein. J'ai le temps. Ah, j'ai un email. Qu'est-ce que c'est ? C'est fini? Non, c'est pas fini. Franchement. John,
This is happening because of him. He did all of this. This is all too much for me, T. I'm just a school teacher. Oh, Blackie, t'as contacté Twitch Support, tu me diras si t'as des réponses, parce que... Je suis de tout cœur avec toi. Et s'ils veulent qu'on fasse des tests ou autre, n'hésite pas. Ok. Bonjour, je suis passage chiant du jeu, j'aime bien causer pour rien. Surtout que tu ne puisses pas passer, bonjour les passages chiants. C'est ça. Ok, allez, on va là. On va là. C'est un prof de quoi? Je ne sais plus. Ils l'ont dit? Je sais même pas s'ils l'ont dit en fait. Coca-Cola. Never liked you. Coca-Cola. C'est le moment où ils sont discutés sur les réseaux sociaux. Tout à fait, Pomme, merci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, c'est bien, c'est social. Je vais sauvegarder là. Coca-Cola. Coca-Cola. Le cola de tous les colas. Ok. Ok, donc je ne fais pas la connerie de... Hein? On va... toucher le câble. Ok, je pensais que j'avais une chance sur deux de crever, là. Donc on a un câble déconnecté. Qu'on va attacher au Coca-Cola. Non, ça va casser la canette si tu le noues à des câbles. Pourtant, ça aurait été pas mal de lancer le câble avec la canette. Ah, oh, mais si, on peut lancer la canette, juste. Genre là. Boss dans le sol. Probably not a good idea. Si on lance le câble. I don't think this will fit. Est-ce que je peux passer là peut-être? Il est nu? Vous avez vu qu'il était nu? C'est bien, ça m'a laissé le temps de tweeter à Twitch. Bah oui, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, Blackie. Si jamais. Et t'as essayé vraiment de refresh, mais pendant 10 minutes, de faire F5, j'imagine, Blackie, mais c'est chiant, mais voilà, quoi. J'ai essayé de lancer la canette, ça veut pas. Il veut pas lancer la canette sur la boss. I don't know what I was thinking there. Peut-être qu'il veut bien lancer la canette sur autre chose, conduit. I can try to make it set, but it may break. Dans la porte vitrée. Que dalle. Genre, où est-ce qu'il faut le lancer pour... Non... Ok... J'ai sauvegardé, je vais essayer d'aller là. Hein. Ah! C'est bon, en fait. Où est-ce que je suis? Ah, ça aussi, c'est un autre truc qui me stresse un peu. Des fois, je sais pas où on arrive. Je sais pas où il est, là, genre. T'es où, John? Ah, il est là. Cadavre. Ah, il y a beaucoup de lectures aussi dans ce jeu, il y a beaucoup, beaucoup. J'ai essayé, Pomme, de mettre les deux ensemble. J'ai essayé, ouais, déjà, de les mettre tous les deux ensemble. C'est ce que je fais, je devrais lancer un enregistrement et faire un mix du son sur F5 sur le clavier, c'est très horrible. Moi, ce que je fais, en fait, quand ça m'arrive, Blackie, c'est que j'ouvre deux sessions. Pendant que je fais un F5 sur un, je suis un peu le chat et le stream sur l'autre, quoi, en fait. Yo Mendo, comment ça va? Bienvenue. Ok. 18 mai, encore des pannes de courant aujourd'hui. Bon sang, je pensais qu'il pensait avoir trouvé l'origine du problème. Les gens sont plus grognons que d'habitude. L'un de mes gars a craqué aujourd'hui, il tremblait, se grattait comme s'il souffrait d'un sevrage. J'ai consulté les infirmières qui l'avaient examiné. Et il y aurait une sorte de drogue dans ce système, J'ai juré sur sa tête qu'il n'était pas défoncé et qu'il n'avait rien pris. Mais il prépare déjà un procès pour le pauvre type. Le truc, c'est que, je le crois, tout le monde agit un peu bizarrement ces derniers temps. 6 novembre. Qu'arrive-t-il à mon beau vaisseau? Cette merde se développe dans les entrailles de ce bébé comme un cancer. Je n'arrête pas d'envoyer les messages au docteur Malan à ce sujet. Mais il ne m'a jamais répondu. Je sais qu'il les lit car c'est l'arbin de l'hydroponics continue de venir collecter les échantillons chaque fois que je lui envoie un message. J'ai réussi à coincer son assistante l'autre jour. Je lui ai demandé de me dire quand on aurait notre part de ration.
Elle m'a regardé comme si elle n'avait pas dormi depuis une semaine et m'a répondu « Bientôt. Personne ne dort bien. » J'essaie d'accueillir chaque jour avec le sourire, mais les pauvres types commencent à paniquer, voire à se rebeller. Je passe mon temps à séparer les gens qui se battent au lieu de faire la maintenance des machines. Je pensais emmener un groupe à la salle des machines. Et ok, on va pas s'arrêter. Et cramer cette merde. Mais je crains qu'il soit trop tard maintenant. Et là, ça va bien, Mendo, ça va bien. Merci, merci. Et là, ce soir, ça le fait sur tous les streams que je regarde. C'est peut-être ta connect au final, Blocky, je sais pas. Hein. T'as essayé de faire un speed test pour voir si t'as pas un souci de download de ton côté. Quelle belle voix. Oh, merci, Mendo. Merci. Normalement, je fais des voix pour les gens. La première, je la fais normalement. 20 décembre. Plus d'ingénieurs, plus aucun espoir. Quand on enlève ces choses, il ne reste plus rien. J'ai ce message bloqué sous le terminal de sécurité principale. Je pense pas qu'une de ces choses m'entendra. Le reste des survivants s'est planqué dans les cloisons, mais personne n'a envie de risquer de partir tant qu'on n'aura pas reçu de protection. J'ai dit qu'on allait soit mourir de faim, soit mourir de toute façon. Ils ont donc voté en masse pour que j'essaie d'aller chercher de l'aide. Je suis donc venu ici via l'un des tunnels d'accès de maintenance et j'ai programmé le terminal de sécurité pour marquer comme hostile tous les individus sur lesquels les terminaux de données portatifs sont toujours implantés. Ça devrait au moins placer les tourelles de notre côté. Je suis pas certain que ça fonctionnera, mais c'est tout ce que je peux faire. Je suis seul maintenant, putain, je m'y habitue, j'ai jamais rencontré la bonne fille. Je suis sûr d'avoir entendu l'Otis crier. Ils sont probablement tous morts maintenant, mais j'en suis pas certain. J'entends ces choses arracher les panneaux du sol et des murs, comme si c'était du papier. Ce serait ma fin s'ils me trouvaient en train de me tapir sous le sol. Guy Fawkes a sauté avec une corde attachée autour de son cou au moment d'être exécuté. Es-tu au courant? Ils allaient l'étrangler à moitié avant de le déchiqueter, mais il a trompé ses exécuteurs en se rompant le cou avant qu'il ne puisse continuer à le torturer. Je vais faire pareil, j'ai un pistolet pour ma protection, il me reste qu'une balle. Mais c'est pas grave, il m'en faut qu'une. Mal de petit GG. Merci Kaima, ouais. J'en sais rien, je vais tester Netflix aussi pour voir. Sinon, tu vas sur Google, tape speed test. Et le premier lien que tu vas trouver te permettra de faire un test de ta connexion. C'est triste cette histoire. Mais en fait, oui, pour ceux qui connaissent pas, tous les membres de l'équipage de ce vaisseau, en fait, pour l'instant, à peu près tous, se sont soit suicidés, soit ils se sont fait bouffer par des trucs. Donc c'est plutôt triste, ouais. Alors, docteur Al Rajkumar à tout le personnel, matricule de données personnelles. Chers tous, pour ceux d'entre vous qui peuvent encore recevoir ces messages sur l'intranet, vous savez à l'heure qu'il est, ces créatures utilisent nos terminaux de données portatifs pour passer les postes de contrôle de sécurité. Pour empêcher cela, j'ai décidé que à tour de rôle. Voilà, il y a des trucs qui crient. Hein, À tour de rôle, vous dirigez sous garde armée vers la capsule chirurgicale principale. Vos terminaux seront retirés. Ceci fait, nous reprogrammerons les protocoles de sécurité pour qu'ils ciblent toutes les créatures qui possèdent encore ces matricules. N'ouvrez pas les portes de vos quartiers sans une confirmation par mot de passe. Aujourd'hui, le mot de passe est Égide. On va s'en rappeler, les amis. Ok. Te suicide pas, Ekino, je vais essayer, ouais. J'ai pas entendu, tu peux répéter. Non, je me suiciderai pas, premier Mendo. Et ouais. Lol, barricade. Une fois, mais pas deux. Après la bavette de bœuf, la rillette de macro, voici le tartare au poivre sur pain grillé. Eh bah, dis donc, il y en avait faim, pantoufle. La situation. Voilà le topo. La substance non identifiée continue de se propager, affichant en l'air les salles des machines D à G. Et après une petite discussion avec les ingénieurs mécaniques, je peux vous dire que ça a un effet néfaste sur l'efficacité et la rapidité des moteurs. Tout ça pour dire que le vaisseau ralentit sérieusement. La seule chose qui s'accélère, c'est la vitesse à laquelle le champignon se développe. Son origine est inconnue, même si on réduit le nombre d'hypothèses. Situation de crise. Utilisez les objets les plus solides que vous pouvez trouver pour le retirer des fixations et des plaques d'entraînement, sans compromettre l'enveloppe protectrice des noyaux d'entraînement. Bonne chance, les gars. Ok,
D'accord. Il y en a une autre là. Il y a un flag. Il y a un flag. Il y a commande de la sentinelle. Ça doit être la tourelle en bas. J'imagine. Speed test des biais habituels, pas de fluctuation pendant le test. Ok, d'accord, Blacky. Bah, donc effectivement, c'est probablement pas toi. Moi, j'envoie du. Si jamais ça les intéresse, je stream à 2 mégas. J'envoie du 2 mégas. Tu peux même regarder les stats, hein, ça fluctue entre 2 et 2100, quoi. Pas beaucoup plus, quoi. Donc, voilà, si jamais ça peut les aider, je sais pas. Yo, zonzon! Coucou! Sans compter les pas de carbo que j'ai fini, oui, j'avais faim, en effet. Nom de Dieu, pantoufle, nom de Dieu. Ça va bien, zonzon? Ok, on va. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a? Les commandes de la sentinelle. Ce terminal est connecté à la tourelle qui se trouve à proximité. Un tas de canettes vidées de Juca-Cola se trouve en dessous de l'ordinateur. Celle-là, elle est détruite. Donc. Maintenant, sauve le tube. Replace cable. Oh! Replace cable! Remplacer le câble. This isn't going to work. C'est marqué. This cable's leaving. Alors c'est remplacer la manche, le manchon, je sais pas comment ça s'appelle, la du câble, ok. Hello now. Un anti-personnel système, mode sentry, weapon, power, status. That's a virtue. Donc, ouais, après, c'est le truc du contrôle des tourelles. Il y a marqué qu'ils sont à la bourre pour la maintenance de 295 jours. Hein. Pourquoi est-ce que tu arrêtes le truc? C'est insensé. Twitch qui lag un peu, je suis en train de bosser un peu, mais sinon ça va. Et vous... bah, ça va, très très bien, Zonzon. Il y a Blacky qui a le même problème que toi. Si ça lag, peut-être refresh. Est-ce que si je clique, non? Je comprends pas tout là. Je sors. Bon ben, je vois pas ce que je peux faire là en fait. Tiens, je vais sauvegarder parce que ce jeu me fait stresser en fait. Je vais sauvegarder tout le temps maintenant. Voilà. On va aller chercher le pistolet. Ils sont bienvenus au club de Twitch qui veut pas nous laisser regarder nos streamers préférés. Je suis à la moitié de Banner Saga qui finalement c'est bien ce jeu, dommage que j'ai pas continué. Bah j'ai continué Koima mais qu'est-ce qu'il y a, bah dis donc. Yes. J'ai continué Koima mais de mon côté en fait. Je le sentais pas de le stream en fait. Même maintenant, je l'ai pas fini hein. Même maintenant après y avoir y a joué pas mal, je sais plus à quel chapitre je suis. Je persiste, je pense que c'est pas un super jeu à stream. Enfin, moi ça me ferait pas triper de stream ça en tout cas. Personnellement. Essayez la canette. Non, j'ai pas essayé encore. On va essayer ça. Je regarde s'il y a autre chose. John. Il y a un ventilateur. Une odeur infecte de cadavre en décomposition souffle dans la pièce. Les silences nauséabondes et si fortes que vous avez des haut-le-cœur. Ok. On va retourner. Essayer autre chose avant de sortir. C'est vrai que sur le tel tout à l'heure j'avais pas de soucis non plus. Alors en fait c'est je peux vous expliquer. En fait normalement ce qui est bizarre c'est que ça t'arrive souvent à toi Blacky en fait. Mais le principe c'est que quand tu regardes un petit streamer donc qui n'est pas partenaire ou même qui a voilà, j'imagine que ça marche par palier de followers ou de viewers, j'en sais rien. Twitch va avoir tendance à mettre sur des serveurs de merde comme la commande que Pomme a balancé l'indique en fait. Et donc en fait si ça se trouve t'es sur un serveur tout pourri qui va te provoquer des buffers en fait. Ou alors t'es sur un serveur qui ne réduit pas le débit, enfin bon bref. Et du coup je pense que c'est juste ça en fait. C'est pour ça que si tu passes sur une tablette ou sur un autre navigateur ou un autre PC, tu vas avoir plus de chances de tomber sur un autre serveur que si tu refreshes sur ta page à toi en fait. Sur, voilà. Je sais pas si je suis très clair en fait. Jeudi soir, je suis pas clair, j'ai le droit.
Ouais, j'ai ouais, le stock de canettes en dessous. Bah, on va essayer, ouais. On va essayer, je... Pantoufle GG. Pantoufle GG, on a cramé la tourelle. Ok. Mip, 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 mip. Ok. Eh bah ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on peut pas y aller. Là on peut pas y aller. Eh bah on va redescendre alors du coup maintenant elle doit être cramée. Hein. Yo Kyoto, comment ça va? Pourtant avec les autres streamers, Max 30 viewers, ça lag pas. Bah c'est parce que ça lag pas, ça lag jamais tu veux dire, Zonzon? Parce que c'est une coïncidence, je pense. Très honnêtement, je j'ai pas de réglage particulier par rapport à d'autres streamers en fait. Et puis bah moi, il m'arrive la même chose quand je regarde certaines personnes. Voilà. Après, est-ce que c'est parce que je suis en Irlande, que je stream sur le serveur de Londres? C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, ouais. Je stream sur Londres parce que c'est là où il y a le ping est le plus petit, en fait. Bon, normalement, elle devrait pas sortir, c'est ça. On va re-sauvegarder. Sauvegarder. Parce que... il y a des gens ici à qui ça arrive jamais, hein, qui ont jamais de soucis chez moi. Il y a des gens qui ont des soucis chez Parsi. Moi, j'ai des soucis chez Zouazou, par exemple. Le courant ne passe pas entre nous, c'est peut-être ça. Sur Parsi, j'ai eu des problèmes aussi. J'avais le son, pas l'image, uniquement avec lui. Ah, ça, par contre, Koima, c'est un truc de ouf. C'est pas logique, quoi, que ce son, pas l'image, ou quand il y a un décalage, c'est super bizarre. Bon, on va se lancer. Pas trop fort quand même. Elle est où Ned? Elle est où Ned? Elle est où Ned? Cavité triangulaire se trouve à cet endroit. Cette section est autonomement propre si on en tient compte du déluge de sang qui recouvre les restes du sol. Ok. I hate doors. One override. Coming up. S'il te plaît. Shit, John. The security systems in Medical are inaccessible. It's like they've been locally reset. I can't access anything. I'll think of something. D'accord. Ouais, mais on pense à quoi? Est-ce qu'on peut aller là? Non. Non, mais genre là. Non, tu peux pas y aller. Bien, ça aurait fini pour moi. Petit tour des métiers. Vous faites quoi? La vie pour ma part kiné. Eh ben écoute, moi je bosse dans le support client. Voilà. Je bosse dans le support client. Je supporte les clients. Tunnel déconnecté. Oh, je peux récupérer un truc. Cette machine sert avant tout à assurer la sécurité. Même si des mesures extrêmes ont été prises dans certains cas pour contenir les accros au Yuka-Cola. Est-ce qu'on peut lui choper? Ah, carrément, là. Ah, carrément. Ok, d'accord. Bah, ça me va, hein. Mon Dieu. Wow. Oh là là. C'est quoi ce jeu? Alors, Kyoto, ça s'appelle Stasis. C'est un point and click, c'est un jeu d'aventure point and click. Donc, assez tranquille comme jeu, tu vois. Tu te déplaces et puis tu cliques sur des objets et... il y a des petits puzzles, des énigmes à résoudre. L'histoire du jeu est assez simple en fait. On joue le rôle de John qui s'est réveillé un jour dans une capsule de stase. A priori, sa capsule de stase a été enlevée par un vaisseau. Donc on se trouve dans ce vaisseau-là. Et ce vaisseau-là apparemment enlève des capsules pour utiliser les passagers des capsules en tant que produit et faire des expériences bizarres. Voilà. Donc il avait sa femme et sa fille avec lui, il essaie de les trouver à bord du vaisseau, et on se rend compte que tout le monde est mort, ou alors complètement taré, ou alors complètement difforme. Bienvenue sur Stasis. Voilà. Il y a une espèce de plaque de radiation dans la salle fermée, peut-être que tu peux passer par en dessous.
Ouais, peut-être. Attends, on a des traces de sang. Genre, on peut rentrer par là. Ah, mais non, on peut zoner en fait là. On peut zoner en fait maintenant. Voilà. Warning. This area is off limits to all active PDT users. Please see your supervisor for further instructions. Oh, ça sent le. That makes no sense. All PDTs. That's everyone. They must have changed security settings. Mais... Stop anyone from heading down below. Or coming up. Mais on avait lu, c'est ce qu'on avait lu en fait, ils ont retiré ça pour éviter que les monstres justement utilisent les PDT pour traverser le vaisseau en fait. Du coup, c'était quoi le mot de passe? C'était Égide je crois. C'était Égide. Y'a pas de soucis Kyoto. C'est tranquille oui, hormis quand tu utilises une sulfateuse, tout à fait ouais, Pantouf. C'est vrai que ça a envoyé du pâté quand tu dis. Tu fais une thèse en physique. Wow. Classe. La musique est plutôt sympa aussi. Alors on a un autre agenda ici. On en a un autre ici. Là on a l'ascenseur. Vous aimeriez ne plus jamais voir un autre système de transport tubulaire de votre vie. Les inscriptions indiquent que cette porte conduit à la réception. Voilà, elle est là. Sentinelle détruite, donc ça c'est bien. Vous essayez de vous convaincre que vous êtes pour l'instant. Que vous êtes pour l'instant en lieu sûr. Ça dépend s'il y a d'autres boss. Trace de sang, d'autres inquiétants stigmates du massacre. Ok, et ben. Hop. On va sauvegarder. Sauvegarder tout le temps, voilà. Sinon. Après les dialogues, vu qu'on peut passer les dialogues. Donc oui, en fait, pour en revenir au lag, Zonzon, c'est soit une coïncidence, soit c'est parce que je stream sur le serveur de Londres et que potentiellement, peut-être que ta connexion... Si ça se trouve, en fait... Je pensais à ça aussi. Si, vous avez quel fournisseur d'accès, Zonzon et Blacky? Ceux qui ont des problèmes pour regarder le stream. Parce que si ça se trouve, c'est les fournisseurs d'accès qui bloquent certains flux. Je vois que ça peut être ça. Je sais pas. Enfin bon. 16 avril. Oh, c'est abruti. Erika Boxer. Faut que je fasse une voix de nana. Oh, c'est abruti. J'arrive pas à croire, cet enfoiré. Quel genre d'homme largue une fille le jour de leur anniversaire. La pauvre Tadika est hystérique. J'ai dû changer mes horaires de travail à cause de ce connard. Sadie m'a facilité les choses. C'est vraiment une bonne amie. On était inséparables à l'école d'infirmière jusqu'à ce qu'elle décide d'étudier la botanique. Elle a l'air plus disposée pour la recherche médicale générale que pour les soins des patients. Ça me dérange pas. Je préfère travailler avec des gens plutôt qu'avec des plantes. La nouvelle passerelle de l'hydroponique, c'est un bonus. Certains gars de l'équipe aiment bien s'étirer au milieu de la verdure. Qui a dit que les nouveaux services n'avaient aucune utilité? La balance des trucs comme ça, c'est bizarre. C'est égoïste, je le sais, mais... Bon sang, j'ai bien assez à faire. Je dois faire des heures supplémentaires et des ingrats comme Eric me disent que je dois en faire plus. Ma pauvre petite sœur, le corps d'une femme de 30 ans. L'esprit d'une femme de 60 ans. Apparemment, il dit que piloter l'Ozymandias me met trop de pression sur la relation. Tout comme ce petit copilote qui vient d'arriver. J'en ai ras-le-bol des pilotes. Ils passent leur vie à courir en cercle. Ce soir, ça devrait aller. Danica et d'autres filles viennent. Et j'ai une cargaison de champagne martien. Pas besoin de faire une voix de meuf, elle est déjà innée chez toi. Ok, Barricade. C'est gentil, je crois. C'est un compliment. Espèce de troll. C'est même pas. D'accord.
sais pas si vous connaissez Desperado, c'est un jeu vraiment génial. J'y ai joué, je l'ai fini dans le temps, Kyoto, Desperado. Desperado est plutôt du style Commando ou Robin Hood, où tu diriges plusieurs personnages pour arriver à ton but, finir les tableaux, les missions. Et franchement, ouais, j'avais bien kiffé dans le temps. Je pense que c'est la vue en 3D isométrique qui te fait penser à ça, en fait. Aussi, le fait que le jeu soit en 720p rend l'aspect un petit peu old school, un peu pixelisé, en fait. Ça doit être ça. Ok, tire sur une marque du type. LOL. Ok, on va continuer. 10 juillet. Augmentation du budget s'avère être autant une bénédiction qu'une malédiction. On a bien sûr plus d'équipement, mais on est loin d'avoir l'espace nécessaire pour les stocker. Si seulement le Groomlake était modulaire, on pourrait peut-être avoir un peu plus d'espace. Sadie et moi travaillons d'arrache-pied. Dieu bénisse Sadie. Si c'était pas pour elle, je serais probablement devenu alcoolique. Danica craque toujours pour son crétin d'ex, elle m'appelle en pleurant pratiquement tous les soirs, juste pour me dire à quel point il lui manque. La prochaine fois que je le vois, ce sale type, je vais lui en foutre une. Je m'inquiète pour Danica, elle est déprimée, elle ne mange pas, elle ne dort pas. Je vais peut-être demander à Angracia de lui donner un rendez-vous. Elle a besoin d'un psy. Niveau boulot, les réservoirs de régénération fonctionnent à merveille, mais avec la demande accrue, on est à court de réactifs de dissociation chimique et les réserves de liquide de régénération en croissance cellulaire sont pratiquement épuisées. En parlant de liquide, c'est le nouveau produit que l'unité du docteur Malan nous fait utiliser. C'est techniquement la même chose que le dernier produit, mais je suis sûr que la composition moléculaire est différente. Apparemment, c'est 4 fois plus efficace, mais ça m'a l'air imprévisible. J'ai dit au docteur Harvey de demander à ce qu'on réutilise l'ancien produit, et il l'a fait, 2 fois déjà. Pourquoi nous ignore-t-il? Sinon, t'as un truc à ramasser dans les rangements, j'ai vu la main apparaître. Merci, Barricade. Les gens, je vais vous laisser, je vais dormir, bonne soirée les gens, bon live Elkino, et puis à demain minuit si je me trompe pas. Non, c'est samedi minuit, Mendo, mais en fait demain on fera du Verbis. On fera du Verbis et je pense commencer vers 22 ou 23 heures, donc demain vendredi. Voilà, si tu veux voir le grand magicien Elkino. Et bonne nuit à toi, Mendo, bonne nuit, bonne nuit. On a l'impression que quelqu'un est dans le bip, c'est nouveau. Tout à fait. C'est un peu ça. 18 septembre. Énorme bagarre dans le réfectoire aujourd'hui. Tous les gars transpiraient et avaient l'air d'avoir une overdose. D'ailleurs, fait une overdose. Il y a de plus en plus d'assauts violents dans ces derniers temps. Je jurerais que c'est lié au nouvel arrivage de provisions. Depuis qu'on utilise ce nouveau liquide de régénération, on dirait que plus rien ne va. J'en suis persuadé. Les régimes, les médicaments, les échantillons génétiques. J'en ai parlé à Sadie, et elle pense aussi qu'il y a une altération. L'idée qu'on ingère de mauvais aliments depuis des mois me fait flipper. Je vais demander à un ami d'analyser quelques échantillons. En attendant, je vais verrouiller ma porte la nuit. Je sais pas à qui je peux faire confiance. Sadie m'a lancé des regards étranges aussi. Je vais peut-être changer mon verrou. 19 décembre. Je m'en fiche! Je dois voir Danica, il le faut. Elle se trouve avec 2 autres personnes près des hangars, mais je suis coincé dans l'unité médicale. J'ai emprunté 2 fusils à Malone et Bird et un scalpel laser. C'est tout ce qu'on a. Sadie continue de se bagarrer avec moi et de trouver des excuses. Il commence à m'énerver. Cet idiote a oublié où on se trouvait. Le Groomlake est un putain de terrain de chasse et ma sœur y est au cœur. Je n'ai rien à foutre s'ils viennent pas avec moi. Je dois voir ma sœur. Il faut que je sache que Danica va bien. Je l'ai entendue à la radio il y a un jour. Je sais donc qu'elle est en vie. Elle doit se cacher. Danica était toujours meilleure que moi quand on jouait à cache-cache. Il nous fallait des heures pour la trouver. Une fois, notre mère a organisé une fête de traque pour elle. Elle s'est cachée au fond du jardin, planquée dans le trou où notre père plantait les betteraves. Elle se cache, j'en suis certaine. Sadie me pose problème. Si elle vient pas avec moi, je suppose que je vais devoir la forcer à venir. Ok. Email.
Control Verbis, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est un jeu qui rocks, mais qui troll. Alors. Elle, Musgrave, rapport sur l'amélioration des aliments. Cher Erika, j'ai l'impression que votre demande était peut-être simplement de la paranoïa, mais suite aux tests que j'ai effectués sur les échantillons fournis, eh bien, je dois être honnête. Ces implications sont effrayantes. Je suis dans l'ensemble d'accord avec votre théorie initiale que certains lots sont mauvais, mais la décomposition n'est manifestement pas la seule cause. Vous devez comprendre que lorsque de tels lots sont abîmés, ils le sont tous. Un champignon, par exemple, se propagera sur les échantillons, mais il y a une différence étonnante entre les échantillons que vous m'avez envoyés. Certains d'entre eux semblent avoir été cultivés par les qualités qu'ils démontrent. Saviez-vous que l'échantillon du Brassica avait été amélioré avec une forme génétiquement améliorée, PCP ? Je sais, car j'ai testé l'échantillon sur l'un de mes rats. La pauvre bête s'est déchaînée violemment, a eu une attaque et est morte. Le nom précis du produit est le DV85, une drogue qui a été utilisée pour améliorer les aptitudes des soi-disant spectateurs à distance pendant les guerres eugéniques. Un produit créé en laboratoire. Plus alarmant est que, à cause des différents brins génétiques observés dans les 5 échantillons que vous avez envoyés pour analyse, j'ai l'impression que ces contaminants ont été délibérément distribués au personnel et aux patients. Je ne sais pas quel taré ferait une chose pareille, encore moins sur un vaisseau qui se trouve où se trouvent des labos, mais j'ai déjà envoyé une requête à mes supérieurs du ministère pour étudier la question plus en profondeur. Sur une note informelle, faites attention à vous, Erika. Vous avez toujours été ma meilleure élève et je suis ravi que vous ayez choisi de vous confier à moi. Je m'excuse d'avoir mis aussi longtemps à vous répondre. Soyez prudente, avec toute mon affection. Signé Luc. Ok. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc on, là, on est sur l'agent. C'est cet agenda là, non? Agenda. Celui-là. Bon, rien d'autre ici. Je crois que Baraka t'avait dit qu'il y avait des trucs dans ces endroits là. Des rangées de sièges toutes vides. Vitres. I think I found the crew. Are they also bloodied up, like the guy under the floor? You could say that. I'm not sure how many people I'm looking at. It's like something from a eugenics war painting. Tried to push through, John. A few decks below, one step at a time. Yo, Lord Loulou, bienvenue. Bienvenue. C'est d'autres MMO, une première star, j'ai arrêté les MMO, ça m'a pas assez de temps pour jouer à d'autres jeux bien plus intéressants parfois. Même chose, Blacky. Les MMO, ça bouffe trop de temps parce qu'il faut farmer. Ça me manque un petit peu, mais moi aussi, j'ai beaucoup joué aux MMO avant. J'ai joué 7 ans à Dark Age of Camelot, donc... Twitch remplace ma télé. Ouais, carrément. Bonne nuit, Kyoto! Eh bien, oui, Kyoto, amuse-toi bien avec ta chérie. Ok, donc... notre agenda... J'imagine que c'était ça que t'avais vu, hein... Oh, dégueulasse. J'imagine que c'était ça que t'avais vu, barricade, c'était la vitre. Ok... Les MMO, c'est chiant quand t'as pas de team motivé. Ah, ça dépend des MMO, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement, surtout si tu veux PVP, quoi. Mais bon. Alors, ça dit. Eh oui, j'ai pas 36 000 voix de nana. Hein. Je pensais que devenir la nouvelle technicienne médicale en chef de cette unité améliorerait les choses, mais... C'est comme d'être jeté dans la fosse au lion. La fermeture, il y a quelques mois, était dure, mais ces différences d'inventaire sont un vrai problème. Hier, le système était détraqué. La première chose qu'Erika a faite, bien sûr, c'est d'appeler sa petite sœur pour s'assurer qu'elle allait bien. Je peux comprendre. J'aimerais seulement qu'elle s'inquiète pour moi aussi. Hier, pendant la panne de courant, j'ai été enfermé dans une salle de stockage pendant 2 heures. Danica va bien, mais... Qui s'inquiète pour moi, hein? J'ai seulement été coincé dans la salle de stockage des produits.
contact avec des cultures de plantes et des membres humains pour me tenir compagnie. J'ai jeté un coup d'œil, ça fait partie de mon travail, enfin, les plantes. Fallait que je fasse quelque chose pour oublier que j'étais coincé. Bon spécimen, sauf les échantillons 99D, E et F. J'ai pas compris pourquoi ces échantillons mal mutés avaient été autorisés à proximité des serres. Aussi, ils sont récents. L'enchaînement des phrases est bizarre, je trouve, des fois, vraiment. Vu que c'est un journal, ça doit être fait exprès. Bon sang. Quel imbécile du service d'expédition enverrait ses échantillons à l'unité de stockage ? L'hydroponique applique les règlements de quarantaine les plus stricts de la galaxie. Et on est répréhensible de perdre son foutu boulot. Ça doit venir de cette nouvelle section, quelques niveaux plus bas. Ils ont embauché une flopée d'imbéciles. D'habitude, bien passer du temps dans les serres. D'habitude, j'aime bien passer du temps dans les serres, mais je suis persuadé qu'il y a un truc bizarre avec les nouvelles récoltes. Erika m'a dit que c'était probablement mon imagination, mais tout un lot de cultures de brassica a été jeté l'autre jour. Il présentait des signes de maladie fongique. Comment c'est possible? Je vais soumettre un rapport. Expliquer au docteur Malan et au conseil qu'on stocke des cultures mutantes et des récoltes parfaitement saines avec des maladies disparues. C'est une autre question. Pantoufle, j'y pensais. 99D, c'est énorme pour un tour de poitrine. Merci, Pantoufle. C'est la vitre, ok, barricade. Chez moi, c'est plus joyeux que tout ce qui se montre aux infos. J'ai pas besoin de regarder Facebook et Twitter sur là pour me dire les grosses. C'est pas faux, Blackie. C'est vrai que l'information maintenant circule d'une autre façon. En fait, c'est pas, elle nous est pas forcée dans la tête. C'est à nous d'aller la chercher. C'est un différent mode d'informer pour informer les gens. Ça dit quoi, lol, pomme? Ah là là. Erika a perdu la tête. Je l'ai vraiment maintenant. Elle nous a traînés dans tout le vaisseau pour chercher Danica. J'ai essayé de lui dire que j'avais vu une de ces choses porter le visage de Danica l'autre jour. Bon sang. Ça donne envie de vomir rien que d'y penser. Et il ressemblait à un ballon dégonflé quand il s'enfuyait en grimpant au mur. Angracia l'a fait frire avec un faisceau. Enfin, on n'est pas sûr. C'est un psychiatre, pas un soldat. D'un autre grossier. D'un autre côté, je me demande bien qui est un vrai soldat ici. Erika semble penser qu'on est dans la Marine Corps. Elle brandissait son fusil avec un regard de fou et menaçait de tuer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle. Je lui dis, Erika, t'es une infirmière. Je la reconnais à peine. Qu'est-il arrivé à ma meilleure amie? Qu'est-il arrivé à cette fille de Stokely, Mississippi? Je n'en reconnais plus Erika Boxer. Erika est morte ce matin. Mon ami est parti. L'une des choses horrifiques a lui a déchiré la colonne vertébrale devant mes yeux. Je dois faire partie de ces dernières personnes en vie. Enfin, c'est pas comme si j'en avais pour longtemps. Je suis infecté par une chose, je le sens. J'ai vérifié le labo hydroponique ce matin. C'est une épave. Tout le monde aurait pu leur dire, que d'essayer de cultiver un nouveau champignon pour tuer l'ancien serait un désastre. Ce qu'il en reste ne veut pas bouger. J'ai essayé de lui arracher avec le scalpel laser qu'Erika m'a donné, mais rien n'y fait. Zip. Zlish. Zilch. Nada. Ce qui ne tue pas le rend vraiment plus fort. Je vais retourner récupérer les restes d'Erika plus tard. Je sais qu'elle est morte en étant folle. Mais c'était mon amie. Je l'aime toujours. Matricule de données personnelles. Chers tous, pour ceux qui ne peuvent pas encore trouver la blablabla, Égide, on l'a fait tout à l'heure. Email. Différent là. Ouais. Anomalie dans les stocks. Docteur Malan, tout d'abord, permettez-moi de m'excuser de vous contacter directement, mais c'est une urgence code rouge classifié. J'ai entrepris d'autres inspections sur les échantillons 99 D, E et F. Et j'ai découvert que la majorité de nos stocks avait été compromis par une altération. Des signes montrent que l'altération a commencé il y a un moment. Certaines substances sont abîmées, mais une grande quantité semble avoir été illégalement modifiée. Je ne sais pas qui sont les nouveaux fournisseurs, mais les stocks qu'ils ont fournis ne correspondent pas au manifeste chimique inclus.
conscience que c'est une affaire qui concerne le service d'expédition plutôt que l'hydroponics, mais le projet SEED est basé autour de notre culture réussie de plantes. De plantes super nutritives dans les conditions inhabituelles. Avec le stock actuel en notre possession, il n'y a aucune limite au nombre de nutriments illégaux ou ayant subi une mutation qui pénètre dans notre croissance des plantes. Conseillez au service d'expédition et à l'unité médicale d'entamer d'autres inspections minutieuses de la cargaison reçue. Je soupçonne que les problèmes remontent à plusieurs mois, bien que je n'ai aucun moyen de vous le prouver. Veuillez recommander l'arrêt immédiat des approvisionnements et la décontamination des tuyaux d'irrigation tant que ce problème n'aura pas été résolu. Cordialement... Ah merde! T'es sadi. Eh bah, ok. Ah putain, c'est Erika, là. Sadi, je t'adore vraiment, ma puce. Mais as-tu perdu la tête? Ces échantillons sont restreints. Et si le docteur Palan découvrait qu'on avait sorti les échantillons des unités de stockage, tu ne perdrais pas que ton boulot. Je ferai ce que tu me demandes, seulement parce que tu ne t'es jamais trompé avant. Et je te jure que cette fois, et cette fois-ci, tu as tout faux. Ok. Eh ben, il y en a de la lecture. Non, déjà. Ah là 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 là. Ok. Là, non. Donc ça, on a lu. Traces de sang. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah. Sang et tissu organique. Ces substances visqueuses gorgées de sang sont un amas de tissu organique ponctué de fragments d'os. Mais oui, évidemment. Pourquoi on va les ramasser? Bah oui, carrément. Ça nous manquait. Partie de corps. Une partie de corps, tout à fait. Y a des filles ici. Eh ben oui, exactement. C'est le charisme d'Elki qui les attire. Merci bien. Ok. Donc on a chopé une partie de corps. On a toujours un flingue et on a des câbles. Qu'est-ce qu'on va faire avec une partie de corps? Donner en pâture à une bébête? Je sauvegarde! Je sais bien qu'on sera pas obligé de retour lire, mais... Quand même. Voilà. Il est nu. Mais non, il est pas nu! Il est pas nu du tout, c'est une combinaison très près du corps. Non, y a rien, je sais pas pourquoi il vient là, mais y a rien. Les inscriptions indiquent cette partie conduite à la réception. Et là, il y a un autre truc. On va où? À la réception? À gauche, à droite, à gauche, à droite? T'aurais pu me prévenir, Alki. Ah, mais je le découvre en même temps que toi, moi, pantoufle. Hein. Je le savais pas, hein. Si tu veux. Passe de sang. Ouais, tu sais, les gens arrivent sur le... Je sais pas qu'ils arrivent sur le stream en faisant... Salut, je m'appelle... je suis une fille. En général, s'ils font ça, c'est que c'est des trolls et il faut les ban direct. Ah, c'était arrivé une fois, je crois. Où il y a un mec, probablement un mec, hein, qui se pointait, qui arrêtait pas de dire « Hey, je suis une nana. Hey, je suis une fille. » Non, mais je suis une fille, hein, vraiment. Hein. Je suis une nana. Mais c'est bien, bravo, GG. Mais oui, je savais, Blacky, oh là là, tout de suite, si on peut pas déconner... Mais après, voilà. On est sûr de rien. Enfin, si, pour toi, si. Stream. Salut, j'ai mon pseudo en rose avec écrit Miss Culotte. Ah, bah, c'est forcément une nana, hein, évidemment, c'est le cas. Yo, Rosie Win. T'as vu ce que j'ai sorti tout à l'heure? Non, je sais pas, vu quand je lisais, en fait. Quand je lisais, j'avoue que je regardais pas le chat en même temps. C'est pas forcément très catholique. Le 99D, bah non, mais bon. C'est de ça dont tu parles. Combinaison spatiale attachée de sang. Même si le tissu a été repeint, ces combinaisons ont l'air en bon état. Là, il y en a qu'on peut prendre. Même bien qu'elles soient gorgées de sang mêlé de pu. Oh, c'est dégueulasse. Ces combinaisons peuvent partir en parfaitement remplir leurs conditions. Fonctions. D'accord, bah on va en prendre une, hein. Serotonergic receptors are present in your principal vascular system.
D'accord. Donc nous avons maintenant une... Profanity, derogatory comments, or other intimidating actions directed at CAN security employees will not be tolerated. On a ramassé juste une bouteille d'oxygène en fait. Là il y a un champ de force. C'est bizarre, le l'œil il est différent. Ok. Qu'est-ce qu'on a de là? On peut zoner. Assume pantoufle. Ah oui, il faut assumer pantoufle. Si t'as dit un truc, mais j'ai pas vu, mais bon. Je sais pas ce qui te choque autant que ça, pantoufle. Une femme avec des poils sur les genoux. On ne l'a pas dans la merde. Pourquoi? Pourquoi? J'ai posté un tweet sur Sgan avec mes yeux de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si on commençait à compter le nombre de personnes qui ont perdu la vie ici, on s'en sortirait pas. Tout à fait. Là, a priori, il n'y a rien d'autre. Donc, zoning ou ça? Je vais re-sauvegarder. Je commence à flipper des sauvegardes là. On va cliquer là, je sais pas ce qui va se passer. Je vais essayer. Ok, bon, donc j'imagine qu'on peut pas passer. Donc j'imagine qu'il faudra couper le champ de force. Mais il y a plein de trucs derrière. Hein. Ouais. Donc c'est juste pour regarder de l'autre côté en fait. C'est pour ça qu'il y a l'œil qui est renversé comme ça. Ok. On peut zoner là, bah on va continuer hein. On va aller par là. Je vois pas autre chose à apprendre. Ok. Il y a quelques traces de sang par terre, tout à fait Ziwin. Quelques-unes. C'est il y a quelques personnes qui sont mortes dans ce vaisseau. Matricule retirée. Non, c'est pas très très propre. Je déconne, j'aime bien charrier le monde. Ok, pantoufle, y a pas de souci, mais j'ai juste pas compris en fait qui tu charriais, pourquoi et. Mais bon, c'est probablement parce qu'il n'y a plus le contexte maintenant. Donc désolé. Ça fait plusieurs fois que je le disais que tu. Dans le doute, maintenant je sais. Oh là là. Machine médicale. Contrairement à la majorité de l'équipement environnant, ce terminal a été conçu dans le but d'aider à la guérison. Ok. Il y a plein de chat dans le chat pour faire le ménage. Mais lol! Franchement! Ah non, mais il faut pas se fier au pseudo, c'est évident, Blacky. C'est évident qu'il faut pas se fier au pseudo. La preuve, Blacky Decker. C'est pas très féminin comme pseudo, hein. Mais d'ailleurs, si j'étais une nana, je pense que je choisirais un pseudo masculin. Et je me ferais et je probablement que je dirais que je suis un mec pour pas me faire emmerder en fait. Maticule retiré. Plusieurs crochets tordus des bases de ce maticule de données partiellement personnel retiré, pardon. Et ben on va le prendre. Il y a un autre agenda. So for me to get to the lower decks. You have to remove your tag. Remove? Perhaps electric shock. No, that wouldn't work. John? This is the only surefire way. What are you saying? The surgery pod should already be programmed to remove. Oh no. Didn't work out so well for this poor woman. It's the only way, unless you space jump between decks. This is surgery. John. Ah non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors, bon, je comprends pas pourquoi je clique ici et il va cliquer là. Mais bon,
que là, je voulais cliquer sur le matricule, hein. On était d'accord, j'ai cliqué là, on verra la rediff, mais... Ok. Donc j'ai chopé... Matricule de données personnelles. I can't see it working like that. Ok, un trajet d'électronique. On a un réceptacle organique. Un réservoir d'oxygène. Ok, donc il va bien falloir que je me fasse opérer pour retirer l'implant qui est dans mon dos. Et donc il faut que je retrouve des... que je m'assure que tout fonctionne bien. Donc c'est pour ça qu'il y a la bouteille d'oxygène à mon avis. Réservoir de liquide de cri... Non... Hein? Ah bon? Ça va dans l'acier quand c'est des composés riches en oxygène. Ah d'accord, elle est tombée. Ok. Ah ça c'est original. En général, un point and click, tu mets l'objet, ça passe pas, tu le retrouves dans l'inventaire. Non, là ça tombe. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est super violent, hein, Pomme. Je vois pas pourquoi, parce que t'as des filles en face de toi, ta façon d'être et de dire devrait être différente. On n'est pas des poupées en sucre, tu sais. C'est vrai. Mais après, bah après, c'est le sexe opposé, donc bah les gens changent de comportement, et ça, c'est normal. Enfin... C'est comme ça, quoi. Je sais pas si c'est normal, mais c'est comme ça. Ouais, c'est bien gore, hein. C'est bien, bien gore, c'est ça qui est bon. Réservoir de liquide de cryoconservation, stockage des produits anesthésiants. Alors, cette épaisse sirovisque est un mélange d'agents cryoprotecteurs et de liquide amniotique synthétique, c'est dégueulasse. Donc il doit y en avoir. Ok, j'en ai récupéré, d'accord. Réservoir de liquide de stase vide. On va récupérer l'autre aussi. Santé d'environnement chirurgical. Au moins un de ces produits doit être anesthésique. Le sixième sens vous dit que c'est celui-ci. Ok. On va lire l'agenda. Hein. Des fois que tu veux. Du coup, on va avoir confirmation si t'es nu pour la chirurgie. Je ne suis pas nu. Isaiah Al-Rajh Kupar. Non, je ne ferai pas une voix d'Indien. Parce que je ne sais... Non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je ne peux pas faire ça. Une nouvelle année pour... On va lui faire une grosse voix. Une nouvelle année pour la chirurgie en chef et une nouvelle année pour le personnel de l'unité médicale. Je dois le voir comme ça, sinon c'est plutôt perturbant. Le personnel de l'unité médicale est composé de 3 sections supplémentaires. La cybernétique, la régénération des tissus et, pour une raison que j'ignore, hydroponie médicinale. Oui, c'est peut-être médicinal, mais comme je l'ai dit au docteur Malan, ça reste des plantes. Je ne voudrais pas paraître ingrat, c'est Kane Corporation qui m'a ouvert plusieurs nouvelles portes et qui a redéfini les frontières de la médecine pour nous tous. J'ai fait mon apprentissage sur les champs de bataille, plongé jusqu'au cou dans le sang d'innocents. C'est un privilège d'avoir vu ces déserts et villages déchirés par la guerre renaître comme des images de Nirvana. Et je remercie la science de Kane. Mais pourtant, il est difficile de comprendre pourquoi, sur le Groom Lake, autant de services sont obligés de partager des ressources. Il paraît que notre budget sera bientôt réévalué, mais les chances qu'on obtienne une augmentation sont minces. Je vais essayer de rester positif. Le jeu devient bizarre. Les bruits... Non, je suis tout à fait d'accord, Zonzon. Carrément. Carrément. Mais si, pense à Rajesh. Mais oui, mais non, Ziwin, je sais pas, je... De... Plus je pense à faire des voix de d'autres ethnies, et plus je me dis que je ne devrais pas, parce que ça pourrait passer pour une façon de se moquer
Et j'ai envie de limiter ça quand même, parce que même si, bon, voilà, on sait jamais. Donc préfère ne pas le faire en fait. Un jour j'essaie de comprendre les fans, j'en ai encore mal à la tête. Lol pantoufle. Pantoufle, t'as le droit de parler sur un chat, t'as pas à changer à ce que tu dis s'il y a des filles ou pas dans la stressée pour ça. Non mais c'est clair, mais après je comprends aussi ce qu'il peut ressentir, donc perso, mais ouais, c'est vrai, pantoufle. On s'en fout au final, voilà. Exactement ça. Puis c'est qu'un chat, c'est pas comme si elle était en train de prendre notre douche ensemble. Bonté divine, une augmentation de budget de 300%. Je n'ai même pas encore réalisé à quel point cette rentrée d'argent va nous être utile. Le docteur Malan m'a assuré qu'une partie importante de ce budget sera consacrée au projet SID. Ça rend mon travail d'autant plus essentiel. On va commander des nouveaux équipements et des nouveaux échantillons. Si je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'éthique du docteur Malan concernant l'acquisition de volontaires pour la chirurgie et les tests, les progrès qu'on a fait dans nos recherches compensent. Est-ce un tort de devoir tester les limites de la moralité pour le bien de l'humanité? Donc voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans le vaisseau en fait. C'est pour ça qu'ils capturent des gens. C'est pas des volontaires quoi, c'est des volontaires, ouais. T'es un raciste qui s'assume pas. Mais ça va pas, Ziwin. Mais ça va pas. What? Après le jeu, shower with your dad. Shower with Elkinu. Come. Come shower with me. Allez. On y revient au perso tout nu, en fait. Avec la mais il est pas tout nu. Il est pas tout nu. Il a une combinaison très proche du corps. Quand même. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Shower With Your Dad, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le trouver en vous rendant sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas encore. Et oui, je n'ai pas honte de faire de la pub. Alors, 4, mais je suis un chirurgien. Je suis un chirurgien qui a vu des choses atroces dans les abattoirs des guerres pangéennes, couverts de sang. Ça devait être une seconde nature pour moi, mais je me rappelle pas avoir accepté d'utiliser des enfants pour les tests. Je suis allé inspecter les tubes d'inertie à la demande de mon infirmière en chef et j'ai découvert plusieurs enfants. Certains avaient à peine 9 ans, étaient en attente de traitement. Des enfants. J'étais choqué, atterré, et j'ai demandé une explication au docteur Malan. Edward Jenner devait tester les vaccins sur les enfants pour voir s'ils fonctionnaient, m'a-t-il dit. Je connais l'histoire. Quelle recherche médicale n'est pas menée dans ce but? Jenner a injecté des mannes purulentes infectées dans le bras de l'enfant. C'est un mépris insensible pour la vie de ce petit. Mais il a sauvé le garçon. Ça m'a convaincu. On se retrouve à la frontière de la science. Il faut tenter notre chance. Je ne suis pas toujours à l'aise avec ses choix éthiques, mais sa logique est saine. La recherche est trop précieuse pour qu'on se laisse quelques scrupules moraux se mettre en travers de notre chemin. Qu'on laisse quelques scrupules moraux se mettre en travers de notre chemin. 17 décembre. Je crains que mon choix de devenir chirurgien chez Kane Corporation ne soit pas aussi simple que je ne le pensais. Les premières victimes de l'infection qui se propage sur le vaisseau sont arrivées dans mon labo. Oui, on a dû préparer une salle d'opération mise en quarantaine. J'ai dû poser la main sur un patient pour la première fois depuis des années. Les écoulements de sang, le découpage du tissu infecté avec mes outils spécialisés. Que Dieu me pardonne, mais j'adore ça. Je ne peux expliquer l'adrénaline qui monte en moi quand je joue les dieux de cette manière. Quand j'ai entre les mains la vie de tant de personnes sur le point de mourir. J'ai eu ce ressentiment sur les champs de bataille. Je ressens la même chose maintenant. La beauté de la naissance ne m'émeut pas. Par contre, la puanteur atroce de la mort. J'ai pensé à rejoindre Kane Corporation pour sauver mon âme. Mais c'est plutôt pour assouvir ma soif animale. J'en salive rien que de penser à l'odeur du sang. J'ai honte. Je parie qu'il est tout nu sous ses vêtements. Ah ça c'est probable. Il est tout nu sous sa combine. Il doit être tout nu sans ses... Oui. Il est nu, c'est tout, tu le sais au fond de toi. Elki, qu'il est nu, ne nie pas. Non! Je ne joue pas un personnage nu. Il n'est pas nu. Il a une combinaison. On le voit quand il discute. C'était Smichette qui l'avait remarqué l'autre jour. Donc non. Après je m'en fous qu'il soit nu ou pas, ça me passe au-dessus. Mais je suis sûr qu'il n'est pas nu. Dommage qu'il n'ait pas un zoom dans ce genre. Mais sinon, vous prenez une capture d'écran et vous faites un zoom dessus, vous verrez, je suis sûr que vous verrez qu'il n'est pas nu.
J'aime bien les agendas de gros psychopathes, mais moi aussi, mais c'est un truc de ouf. C'est bien écrit en plus, souvent. Ça sera peut-être flouté, c'est possible. Ok. Ah non, t'es vert, Zonzon. Ça va pas, non. 20 décembre. Comment j'ai fait pour pas m'en apercevoir, hein. Ces choses vivantes, atroces, se dissimulent sous notre apparence. À l'intérieur de nous, elles portent nos peaux et nos terminaux de données portatifs. Ce qui explique pourquoi nos systèmes de sécurité ne peuvent pas les détecter. Si je ne savais pas d'où ces créatures provenaient, ce serait peut-être moins effrayant. Mais ces choses apprennent vite. Ces infâmes abominations. Abominations, quel mot! Il semble bien résumer ce que je... Nous avons créé avec notre orgueil démesuré. Nous avons créé le diable. Que Dieu nous vienne en aide. Ok, ça on l'a déjà. Email. Docteur C. Backman. Docteur Al-Rajbar. Le docteur Malan a rajusté ses directives concernant les sujets du projet SID, et spécifiquement les exigences concernant les sujets femelles qui sont déjà tombées enceintes. Les sujets femelles devraient idéalement avoir été sélectionnés, mais leur source précise n'est pas importante. Depuis que le projet a 99,89% de chances de réaction non fatale chez les sujets, les membres du personnel sont éligibles à ce test. Le sujet idéal est le suivant, groupe sangha au moins, taille entre 5 et 5,67 mètres, pardon, entre, hein, ok, entre 5,67 mètres et 1,82 mètres, manque, sans défaut génétique, âge entre 18 et 40 ans, les sujets doivent être tombés récemment enceintes, idéalement au cours de l'année passée, cordialement Dr. Batman, ça doit être, Dr. Batman, ouais, je suis fatigué ce soir, moi. 5,65 mètres, ça fait beaucoup, hein. Je pense pas que ce soit ça. Yo, Darin! Mon dieu, Darin, ça fait un moment, effectivement, qu'on t'a pas vu. Comment ça va? Comment tu vas bien? Ça fait bien plaisir de te voir. Je crois même que la dernière fois que je t'ai vu, c'était avant qu'on fasse Train 3 que tu m'avais offert. Et je sais pas si... J'espère que tu l'as vu sur YouTube. D'ailleurs, Darin, il nous a bien plu à Muo, Toru et moi. J'espère que tu l'as vu. Je crois qu'on s'est pas vu depuis. Ça va bien, Pantouf, ma couleur te choque plus. Moi, j'aime bien ta couleur, là, Zonzon. Ça te va bien. Tu vas regarder la fin dans le lit. Ça marche, Ziwin. Ciao, ciao. Bonne nuit, bonne nuit. N'oubliez pas, Ziwin, il stream demain. Tu stream demain, Ziwin, hein, demain à 1h, 13h. Hein, sur Bioshock 2. Voilà. N'hésitez pas, si jamais vous savez pas quoi faire demain à 1h, je pense que ça va être plutôt cool. En plus, quand ça fait peur, il crie. Il fait iiii. Voilà. On a aussi Blacky qui stream. Tout le monde, de toute façon, on se connaît tous ici. Pas besoin de faire de la pub, je pense. Hein. Voilà, 13h Bioshock 2, nickel, parfait Zimin. Il est nul perso, il est pas nu. Deuxième mail. Nous avons été souvent en désaccord, mais jamais autant que maintenant. J'ai conscience que Mademoiselle Callister ne travaille pas en chirurgie et que l'infirmière en chef boxeur a plus d'ancienneté. Toutefois, Mademoiselle Callister a des capacités d'organisation vraiment extraordinaires. Les zones de stockage des produits, alors je rappelle que les produits c'est les êtres humains, des produits sont propres et bien indexés. Je dois donc refuser votre demande de devoir la retirer de son poste à cause de faux rapports qu'elle vous a envoyé concernant les anomalies dans les approvisionnements. Je suis convaincu que vos affirmations à propos du fait qu'elle ait pris illégalement des échantillons ne sont qu'une accusation. C'est une bonne employée, elle ne signale que ce qu'elle juge légitime. Je ne prendrai aucune mesure contre elle. Vous êtes chargé du projet, mais vous devez me laisser sélectionner mon personnel à ma seule discrétion. Cordialement, Isaiah. Ok. Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on lit? Je ressemble au cas où. Bien et toi? Bah ça va très bien, Darin, ça va. Ça fait vraiment plaisir que tu puisses revenir. J'ai des vacances, tu es très occupé. Ah, mais oui, c'est vrai, tu m'avais dit effectivement que t'étais occupé, ouais. Fleur.
Mais non, Ziwin, c'est vrai. Ok, faudrait faire un Stropole nu ou pas nu? Mais il est pas nu, hein, je vais aller à la lumière. Regardez. Très sincèrement. Attends, on voit pas très bien en fait. Mais non, mais il a la peau bleue. C'est pas possible, il a pas la peau bleue, il est humain. Non, il a une combinaison qui lui arrive ici. C'est tout, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hôpital désaffecté. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Machine médicale. Contrairement à la majorité de l'équipement environnant, ce terminal a été conçu dans le but d'aider à la guérison. Contrairement au reste. Donc l'agenda, réservoir d'oxygène. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose dans le réservoir d'oxygène? Non. Donc, si on récapépète, on a monté le niveau de truc anesthésiant. Donc on peut dire que ça c'est prêt. Il faudrait pouvoir fixer la bouteille d'oxygène, j'imagine. Peut-être avec autre chose. Et il faut remplir le réservoir de liquide de stase pour pouvoir le fixer là. Hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il faut préparer la machine en mettant les trois liquides, quoi, ou les trois trucs. Et après, normalement, ça devrait être prêt. Est-ce que... comment est-ce qu'on pourrait... This isn't gonna work. This should be useful. Voilà. Donc maintenant qu'elle est enroulée de câble, est-ce qu'elle va être fixée plus facilement au réservoir d'oxygène? Yes. Donc, ça c'est bon. On a l'oxygène. Maintenant, il faut remplir le liquide de stase. Donc, où est-ce qu'on va trouver ça? Ok, est-ce qu'on trouve ça? Il est en combi, on le voit clairement à l'intro du jeu. Et ben voilà! Ben voilà, exactement, Koima, tu vois? J'avais raison. Là, regarde ton dos, tout ça, mais mon dos, qu'est-ce qu'il a, mon dos? Tu veux dire mes fesses? Bon, bah, il a un cul rebondi, hein! Il a un cul rebondi, il faut bien le dire, quand même. Je pense que, effectivement, il est plutôt bien formé. Mais ça veut pas dire que il est à poil! John n'est pas nu. Yo, Parsi, ça va bien? Regardez, juste en dessous des genoux, il a des bottes. Ouais. Faut bien reconnaître que c'est pas évident quand même, mais bon. Est-ce qu'il y a des trucs là-bas? Lit d'hôpital, un appel au repos, au sommeil. Paravent médicaux en plastique, apparemment on peut se changer. Plus vous y pensez, plus vous trouvez cela hilarant au vu de la situation. Est-ce qu'il trouve ça drôle parce qu'il est déjà à poil? Ou est-ce qu'il trouve ça drôle parce qu'il n'y a pas besoin de se cacher? Je pense que parce qu'il n'y a pas besoin de se cacher. Je suis sûr que le perso il se fourre avec des appareils du vaisseau. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Barricade, ce soir? Tu as été plus drôle que ça. C'est limite ça, en fait. Niveau humour. Je suis très sûr que la pression, il est nu. Mais il est pas nu. Bon, je pense qu'il y a rien d'autre ici. On va repartir. On va chercher. Donc, je pense que l'objectif, c'est de rechercher... remplir ce truc-là avec du liquide de stase. Ok... Répondu au hasard, mais en regardant de près, il semble nu, mais en botte. Peut-être qu'il y a la lumière, là. Allez, allez. Ah, ah! Il est pas nu. Pas nu. Que dalle! Que dalle, il a une combinaison bleu-grise. Drôle, j'ai du délai, mais j'ose pas F5 pour rattraper, du coup. Ce que tu peux faire, Blacky, c'est ouvrir une autre fenêtre. Et essayer de voir si ta deuxième fenêtre ouverte
n'a pas de buffer pendant genre une minute. Et si ça marche, bah, tu peux fermer la première. Enfin, si ta connexion supporte... si t'as au moins 4 mégas de download, quoi. 4 ou 5 plutôt même. On n'a pas été par là. Je veux dire ton dos, quel esprit mal tourné, les omoplates. They came for our mothers and then for our kin. Scratch of death and eating blessing. Change in God's work. A seed to begin. We burn them with fire and kill them with men. Let us remember. Never again. Are you a pacifist? Don't like to get your hands dirty? We've got humans. We've got delivery systems and we need you to refine them in interesting ways. Can ballistics please? Ooh la la. Les lumières chancelantes portent une attention malsaine aux traînées de sang circulaires sur le mur. On pourrait croire que ce siège s'est mis dos aux traces de sang pour ne pas avoir à les regarder. Le siège. Les contours de ce meuble lisse imite parfaitement la courbure des murs. L'entrée qui mène aux installations médicales, donc c'est fermé. Cette ambiance de ouf. Yo, Fufugazi, coucou. Fugazi, je voulais te remercier énormément parce que j'ai vu que tu retweets énormément de ce que je tweet. Blackie aussi d'ailleurs, j'ai vu aussi. Vous balancez plein de likes et plein de retweets, ça fait super plaisir et ça permet de, d'atteindre un peu plus de monde. Je vais baisser un peu ça aussi. Donc merci beaucoup à vous deux, ça fait bien plaisir. J'espère que ça va bien, Gazi. Tu veux du cuir, pas de pipe chaude, il veut que je veux des... Ah c'est du Alain Souchon ça, d'accord. Je sais, c'est un maso, c'est pour ça qu'il a une combinaison bien moulante. Tu les ranges où tes objets à ton avis hein. Je pense en fait, Barricade, qu'il a un appareil qui lui permet de désintégrer les objets et de les ranger sous forme numérique dans son bracelet qu'il a de coller bien à son poignet, tu vois, bien bien près du corps. Voilà. Ok ? Voilà l'explication, Barricade. Non, non, non. Non, non, ce n'est pas ce que tu penses, Barricade. Le problème, ça me plaît aussi, donc je retweet. C'est cool, Fugazi, c'est cool. Il s'est passé un grand débat sur le personnage. Est-il nu? Il n'est pas nu. Alors, matricule de données personnelles détectée, John Marachek, oui. Matricule de données personnelles n'a obtenu aucune habilitation de sécurité. Le système est verrouillé, d'accord. Donc, il faut retirer son truc avant de pouvoir faire ça. Mais le son... Mais en fait, on va baisser le son en attendant d'être dans cette pièce là. C'est super lourd là. J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. Ah, on voit bien là. On voit bien qu'il est pas. Regardez. On voit bien qu'il a une combinaison qui le monte jusque là quoi. Et c'est vrai, effectivement là. Soit il a des mollets, soit il a le milieu des mollets un peu charnu, soit c'est des bottes. Hmm. Donc, combinaison, c'est QFD, ok. Oui. Non, non, il s'est levé bien là où je parle. Non, Barricade, non, 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 c'est... non, 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 non. Je suis contre. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a sur nous? On récapépète un petit peu. On a le matricule de données personnelles. Oh! Si on met le matricule là. Ok, il a mis le matricule sur le siège. Du coup, maintenant, ça va faire quoi? Yes! Yes!
Donc voilà, on se fait passer pour Elizabeth Swanson. Matricule de données personnelles détectée. Elizabeth Swanson, char de force désactivé. Yes. C'est là-bas. Attends, vas-y. Faut désactiver la porte. Ok, bah il a désactivé le champ de force là-bas, en fait. Ça, c'est cool. Merci, Fugazi. Il est pas nu. C'est franchement, il est pas nu. Et d'ailleurs, regardez sur Twitter le dernier tweet que j'ai balancé sur Stasis, vers... Enfin, pas le dernier, l'avant-dernier, plutôt. Il y a plus de champ de force, c'est cool, je vais sauvegarder. Le dernier tweet que j'ai balancé, on voit très clairement qu'il a une combinaison, en fait. Très clairement, ok? Très clairement. Pas nu. Bon, les jeux de doigts, bientôt. Je dis, il est tout nu. Non, Mishmush, il est pas tout nu. Bonne nuit. Mishmush, tu dors tout nu ou... Voilà. Ok. Il est habillé, mais il a mal au cou. Ah oui, là, il faut, probablement. D'accord, donc on a réussi à passer ici. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Capsule de stase abandonnée. J'imagine qu'on va trouver notre liquide ici. Ça va faire un bon moment que cette capsule n'a pas été connectée. Pardon? On a un prof de physique ici, non? Il y a une molécule, là. Qu'est-ce... What? Tia, a survivor. Someone alive? Not exactly. He's in stasis. It could be dangerous to wake someone from stasis without the proper procedures being followed. So who the hell woke me? Forget him, John. You need to think about the mission. Ok, on va pas faire de conneries pour l'instant. Capsule de stase vide. Vide, cette capsule de stase vide fait ressurgir les souvenirs déchirants. Alors, c'est là... Ah, okay. Une autre personne miraculeusement survécue au milieu de cet enfer, une personne belle et bien vivante, ses signes de vie semblant normaux. Que sait-il de ce qui s'est passé à bord du Groom Lake? Ah, ouais. Eh ben, need le revive. Capsule de stase vide. Capsule de stase vide, on a un autre truc ici. C2H7N4. C'est de la chimie. Mais je sais pas, moi... Zonzon, de mon temps, le prof de physique nous faisait faire de la chimie. L'école a bien changé, hein, depuis 1927. Ah là là. Non, non, sérieusement, hein. De mon temps, on faisait physique, chimie, c'était en même temps, quoi. Ok, bon bah, tant pis. Tu fais de la vraie physique. Des sciences dures, monsieur, pas des sciences molles. Ok, Alex, GG barricade. On va y retourner, on va voir. Ouais, ça c'est oxygène, ça c'est carbone, ça c'est hydrogène. Ça soit doit être du nitrate. J'en sais rien. CH3, c'est du... de l'hydroxyde de carbone. Je sais même pas ce qu'on peut faire avec. Qu'est-ce que tu dis? Je sais même pas ce que ça fait. L'autre, la deuxième. Ah ah! Intéressant. N-azote, pardon. Nitrate. Pantouf, t'as l'air OP là-dessus, c'est quoi? Non, je... CH3, c'est juste du carbone avec des lésions hydrogène. Ah, d'accord. Putain, moi, ça remonte. Ah. Est-ce qu'on peut appuyer? Déjà, faudrait voir s'il y a des trucs qui sont... avec lesquels on peut interagir, en fait. Et pour l'instant, j'ai pas spécialement l'impression. J'essaie de cliquer un peu partout. Là, il y a 4 barres. Un bouton, là. Non, non. On va regarder celui-là, là. Le design familial de cette capsule fait naître en vous une nuée d'idées noires. Oula. C'est tout cassé.
Ah, c'est le numéro ça, ou ça veut dire qu'il a eu trois doses? Je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il a eu trois doses de cette molécule-là? Je comprends pas. Terminal de contrôle endommagé de la capsule de stase. L'écran semble en état de marche, mais le terminal ne fonctionne pas. Un composant interne doit être hors d'usage. Ouais, les amis, il faut qu'on trouve un truc là. Peut-être à récupérer sur les autres, en fait, du coup. C'est ballot, hein. La capsule marche, mais le terminal marche pas. Les autres, les terminals marchent, mais la capsule marche pas. Ça devient compliqué, ouais. Ça devient juste bien compliqué. Tu fais des pompes tous les matins, Koima. Moi, je faisais ça dans le temps. Plus maintenant. Il faudrait que je le fasse. Ce serait bien. Donc là, il y a marqué 4. Est-ce qu'on a des trucs pour... pistolet non chargé. Réservoir de liquide de stase. Il faut remplir et partie de corps. Sinon, on a une autre porte défoncée, là. On a une... On peut aller aussi... on peut aller en haut, là. Je pense qu'on va aller en haut. On a regardé un petit peu. Faut une... Ouais, il faut une puce ou un... Ouais, il faut un composant à mettre dedans. Mais en fait, mon idée, c'était que ce composant-là, on peut peut-être le récupérer de ces moniteurs-là, en fait. Mais j'ai pas l'impression. Pour l'instant, en tout cas. On va aller voir ce qui se passe en haut. Ok. Jambes. On a des jambes. Les fémurs disloqués partent dans des directions totalement opposées. Ok. Puce de la capsule de stase. Oh, quelque chose me dit que c'est pas si simple. Quelque chose me dit que... quelque chose ne sent pas très très bon ici. Je pense que... On va se... Ah, torse humain. Les lumières rouges projettent des ombres malicieuses sur le visage de la victime. On... On va faire genre... Non mais tout va bien. Je récupère la capsule. Yes. Yes. Hop. Y'a pas de piège. Sérieux, y'a pas de piège. Ah, je suis déçu là. Des mares de sang cramoisi s'étalent sur le sol. Des caisses et des cubes de différentes tailles ont été posés de façon désordonnée contre le mur. La structure robuste et la signalétique d'avertissement de ces réservoirs indiquent qu'ils contiennent des substances dangereuses. Non, je déconne, je peux plus, mon ventre touche le sol. Mais attends, tu m'as lancé de la triche quand je te descends. Lol, Koima. On va examiner les jambes, alors. Another body. Oh, maybe two. Burke Carter. Oh, y a beaucoup à lire, là. Ouh là là, ouh, ça va faire mal à la gorge, ça. Ouh là 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 là. Yo, Astaroth! Comment ça va, Asta? Bienvenue. Mon cœur bat la chamade. Mon cœur bat la chamade. J'ai vu la plus divine des créatures dans l'hydroponics. C'est une amie de cette infirmière, Erika. Erika me jette un regard noir, mais Sadie est juste divine. Des courbes parfaites et un visage d'ange. Je n'arrête pas d'essayer de trouver des raisons de visiter... De visiter la section hydroponics médicinale. Mais elle me voit jamais. Je fais pas partie du personnel médical formé. Les soldats dans les salles de réveil me lancent des regards bizarres quand je suis à la fenêtre et que j'essaie d'attirer son attention. Je dois trouver un moyen de parler directement à Sadie. J'ai vu se diriger vers la salle de contamination. Elle a l'air d'y aller à chaque fois qu'elle finit le travail. Je pourrais essayer d'entamer la conversation vers l'une des machines et peut-être de lui proposer d'aller prendre un verre. Je vais faire ça demain. Ou peut-être le jour d'après. Demain, j'ai double de travail. Il faudrait être courageux pour travailler sur des sciences inconnues au sein du cosmos. Les sportifs à l'école ne pourraient jamais faire mon boulot. J'ai ce que ma vie et mes membres pour réparer les appareils électroniques essentiels. Il faut du courage pour faire ça. Je suis peut-être pas un soldat.
mais je pense que j'ai le droit de dire que je suis un homme de courage. Je suis trop swag avec ma barbe. Merci, Zonzon. Ah non, c'est pas moi qui suis trop swag, c'est Mendeleïev, d'accord. Oups. Mais ça va pas, ouais, de tuer les viewers. Non mais quand même, sérieusement. Pourquoi cette fermeture? Bon sang, 9 jours maintenant. J'essaie de traverser les capsules chirurgicales depuis une semaine. J'ai arrêté d'aller à l'hydroponics pour voir Sadie quand ils ont commencé à restreindre l'accès au personnel non nécessaire. Maintenant, je traîne dans l'unité de stockage des produits et près des distributeurs dans l'espoir de la voir. Et quand je la vois, j'ai la gorge nouée. Merde. Je suis vraiment pathétique. Je lis ce livre d'Ariane Sanchez, à propos des guerres eugéniques. C'est incroyable qu'on soit autorisé à faire ce qu'on fait sur les Groom Lake. Après tout ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Et je dois cacher ce livre. Le docteur Malade m'a vu en train de le lire dans la salle de réveil et il a pété un câble. Il m'a menacé de brûler le livre et de me virer. Maintenant, je laisse sous mon oreiller et je prends plus pendant mes rondes. À la place, je prends un bouquin de la série Pangéenne de W.C. Dark. C'est son vrai nom? Je sais pas, j'en doute. J'adore le Major Pothole. Il est incroyable. Parfois, j'aimerais avoir le cran d'être dans les Marines plutôt que dans l'ingénierie. Et j'aimerais être comme lui. Pas Elkinou, c'est un démon immortel. Tu as raison. VC Dark. C'est Rambo qui fait la lecture. Mais non, Rambo. Rambo, je l'aurais fait plus. Plus rauque encore. Colonel. Tu vois. Non, non. C'est pas Rambo, on n'en est pas là. Rambo, le prochain, peut-être. Peut-être. Yo Avia, coucou! Bienvenue! Il y a du monde ce soir, ça fait plaisir! Ok. Suivant. 23 novembre. Les rations sont arrivées aujourd'hui. Personne n'est impressionné, c'est que de la merde. Ce n'est que de la merde d'urgence, pas de la gastronomie. Je m'attendais pas à mon émerveille, mais c'est vraiment dégueulasse. Comme on est à court de nourriture, les gens pètent un câble. L'Otis a donné un coup de poing à Malone. Il a pété le nez de ce pauvre con. Steve a du mal à contenir les gens. Je fais bien Rambo, merci. C'est un scientifique, mais il a le droit d'avoir une bonne voix quand même. J'arrête pas de me demander pourquoi on peut pas aller dans l'hydroponics. Je suis en train de me défoncer la voix, mais... Il m'empêche de parler, surtout Sadie. Elle a l'air très énervée quand elle me voit. Mais pas aussi énervé que quand elle regarde le docteur Malan et Adja Raj Kupar. Elle doit me mépriser. Pourquoi je lui ai pas demandé de sortir avec moi avant? Parce que je suis un lâche. Burke. Un sale lâche. Demain c'est la journée du gag, j'ai rien préparé cette année, sauf ma conne. Lol. Tu veux du grind? Non. Ah bah, dans le temps, j'y allais, hein. Mais bon. D'ailleurs, si vous cherchez bien, vous pourrez trouver des musiques sur internet, des chansons, avec votre serviteur Elkinou qui chante. Je sais qu'il y en a dans le chat qui connaissent déjà. On a encore plus de courant. J'ai vachement peur, je peux à peine respirer. Ces rumeurs d'animaux qui rôdent dans l'unité médicale. Eh bien, ce sont pas des rumeurs. J'ai vu un type se faire déchiqueter par l'une de ces choses. Il n'aurait pas pu s'en sortir vivant. Peau pâle avec des queues, je crois. Ils se déplacent comme une meute de chiens. Ils sont forts. Et les gens ont peur et faim. J'ai gardé un petit stock de nourriture dans mes quartiers. Je l'ai pas dit à Steve. J'ai honte de garder ça pour moi. Mais les gens deviennent fous. Je crois que c'est contre les réglementations de stocker de la nourriture. Migli et Tam tueraient s'ils savaient que je cachais les rations. Ce gars est un timbré. Il m'a pratiquement étranglé l'autre jour. Carswell devait le contenir. J'ai mal partout depuis l'opération. Steve a été nommé pour reprogrammer les tourelles de sécurité. Le mec y est allé et il l'a fait. C'est un héros. Pas comme moi. Putain, il parle ce gars, hein. Vache.
Faites péter les liens. Ah ah. Ben, vous pouvez faire recherche par vous-même. Je pense que vous pouvez trouver. Je pense qu'il y a... je pense que sans que personne ne vous donne des liens, vous pouvez trouver. Maintenant, je ne suis pas un lâche. Je suis un putain de meurtrier. J'ai utilisé ces pauvres cons en état d'inertie pour empêcher ces choses horribles de m'atteindre. J'ai déverrouillé les unités d'inertie et j'ai lancé le processus de restauration pour que, quand ils sortent de leur état de congélation, ces choses les attendent. J'ai trouvé une salle de stockage des produits que personne n'utilise et je m'y suis enfermé. Quand la brèche a été signalée, j'ai entendu des cris. Je me suis pissé dessus. Je me suis pissé dessus, putain! C'est pas le comportement d'un vrai homme. Quand je courais, j'ai vu Sadie qui tenait le corps couvert de sang de sa meilleure amie dans les couloirs. Le pire, c'est que ça m'est même pas venu à l'idée de m'arrêter. J'espérais juste qu'il me ferait gagner du temps pour me trouver un endroit où me cacher. C'est ce qu'était Burke Carter pour tous ceux qui trouveront ça. Et je sais que quelqu'un le trouvera. C'était un lâche. J'espère que les éléments informatiques de cet agenda électronique seront utiles à ceux qui le trouveront. Si ma cachette était inutile, le moins que je puisse espérer, c'est que je laisse derrière moi. Ce que je laisse derrière moi sera utile. Ça, on l'a déjà lu. Ah là là. Tu veux donner le lien à Tino, tu les laisses chercher. Ah bah, cherchez les gens. Cherchez les gens. Ah non. Vous avez tout à fait moyen de trouver. Je ne plaisante pas. Je vous donnerai le lien si jamais vous trouvez pas, mais... pas maintenant. C'est super simple en plus. Bon, d'accord. Je vous aime tous à Star Wars, Poléco, Zonzo de la Verté, grosse bise à vous. Genre, mais moi non, moi non. Moi non, Avia. Merci, Avia. Non mais... quand même. Je sais pas, je suis un peu déçu. J'ai trouvé des trucs avec un mec qui chante, mais la voix ressemble pas à la tienne. Si t'as trouvé. Ça dépend, tu l'as trouvé où? Si tu me donnes le nom, le site sur lequel c'est stocké, je te dirai si c'est oui ou non. Ok, donc on a la pupuce maintenant. On a la pupuce, donc on va faire ça. Pour la clé, le cachet n'était pas la plus sûre, non. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. GG Zonzon. Bah Zonzon a dû trouver, je pense. Est-ce que je peux... non, je peux pas faire ça comme ça. Je sorte, je fasse ça. Je vais mettre là. Ok. Ah. Nous y voilà. Nous y voilà. Oh là là. Et je le sens pas ce... je le sens pas ce puzzle. Un Elkinou à Dublin. Et ben voilà, tu vois, c'était pas compliqué, hein. Tu chantes bien, mais je te reconnais pas tout le temps. C'est normal, c'est parce qu'on est deux à chanter. On est deux, en fait. Merci, Pomme. Bon. Ça veut dire que les pieds ont été réanimés déjà, c'est ça? Il faut faire... oh là là! J'ai peur, moi, je vais le tuer! Ce jeu... ok. On va... hop. On va commencer par... je sais pas, on va faire n'importe quoi. Oh lol! Ah, d'accord, ok. Il faut savoir quoi... lui injecter en fait. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases.
D'accord, on peut pas le tuer, je pense qu'il faut... Ah, donc il doit y avoir un rapport avec les autres capsules. Un rapport avec les autres capsules. Ok, ça c'est la tête. D'accord, t'as compris. T'as compris. Tu peux être tinois, l'a compris. Oh là là, non. J'avais dit pas d'accent. Donc en fait là, il faut, donc pour la tête, il faut mettre cette molécule là, il faut mettre deux cases, il faut mettre quatre unités, j'imagine. Donc bah les amis, je vais prendre des photos. Hein. Je vais prendre des photos parce que je ne peux pas prendre des captures d'écran. Donc c'est parti. Voilà, ça fait une. Ici. Alors, on sait pas ce que c'est là. On sait pas si ce que c'est, mais bon. Voilà. Trop bien. La tête égale la maison avec une grosse en tête et 4 doses. Ouais, mais comme ça, au moins. Comme ça, c'est bon. Hop. Ok, on en a que 3, c'est ce qui m'inquiète un peu, je crois. Capsule de stase vide, il n'y en a pas d'autres. De 3, il n'y en a que 3. Hein. Donc, la tête égale la maison avec une grosse antenne. C'est ça, non? Ouais, GG la grosse antenne. 4 doses. Et 2. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, en fait, c'est que ça correspond de toute façon. Ok. Là, c'est 3, mais on sait pas ce que ça va être. J'ai quitté un peu Soundcloud, tu chantes vraiment faux, Elki, mes X sont bonnes. Ah. Lol. Ok, bien. C'est noté. On est deux à chanter faux, du coup, hein, Ravia. On est deux. Donc ça, je sais pas, par contre, ce qu'elle... Regardez l'autre. Ah. Le problème, c'est qu'on sait pas trop à quoi correspondent les autres, en fait. On sait pas trop à quoi correspondent les autres. Genre ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais si, putain, on voit le corps, là. Donc, ça correspond au coccyx. Ici. Ça doit être ça. Non. Coccyx ou là. Je critique mais je fais pas mieux même quand il y a un tram me tuer. C'est pas faux sinon Avia. Hein. Enfin c'est. Si t'as entendu une chanson où ça paraît sembler chanter faux, c'est une chanson où je suis tout seul et c'est fait exprès. Après, les quatre du groupe sont... On chante pas faux. Hein. Je suis désolé. Si tu penses qu'on chante faux, c'est que t'as pas d'oreille, à mon avis. Je compte 4 du coup, il n'y en a pas 4, 2 en haut et 2 en bas. Attends, parce que là du coup je suis un peu perdu. Attends, 6, il n'y en a que 3. Oui, Pam, c'est ça qui me pose problème en fait. Et la tête c'est pas la bonne. Pardon. La tête c'est pas la bonne. Ah, ça a changé. Je l'avais mis tout à l'heure. Est-ce que ça change quand on part? Non, ça change pas. 1, 2, 3, 4.
Normalement, c'est bon. Et si je change ici, ça change ailleurs, non? Non. Essaye les molécules différentes à chaque fois. Tu résultes à chaque fois que tu quittes l'écran, non, apparemment pas. Est-ce que tu as mis la tête et c'est parti? Ouais, ouais. C'est bizarre, ouais. Donc, en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est celle-là. Est-ce qu'à votre avis, ça pointe vers le coccyx ou est-ce que ça pointe vers l'estomac, quoi? C'est pas facile de savoir. Je pense que je dirais le coccyx. Le coccyx. Bon puzzle, gigot, tout ça, bonne nuit. Ça marche, Kaima, ciao ciao. Bonne nuit, bonne nuit. Vers le cœur, tu penses, toi? Ah, parce qu'il y a une différence, hein. Si ça pointe ici, là ou là, c'est un des trois. Le torse, tu dirais? Donc vous êtes tous pour le deuxième, en gros. D'accord, ok. Bon bah, vous devez avoir raison. Donc, ça va pas reset là, c'est bizarre. Donc ça va être 3 et une seule mesure de seringue. Ensuite, donc là on serait bon. Ensuite, on a celui-là qui pointerait vers, pour le coup, l'estomac, et qui ferait 3-3. Donc du coup, ça serait la troisième. On a dit 3. Et 3. Donc les trois premières seraient bonnes. Maintenant, comment est-ce qu'on définit les trois dernières, en fait? Comment est-ce qu'on définit les trois dernières? Je sais pas. Donc là vous, on est d'accord, hein. On est d'accord sur les trois premières. Deuxième, bien sûr, je pense que toute la partie haute et l'autre tout le bas. Ah? Ah! Tu mettrais Ah non, c'est pas possible. Attends. Tu mettrais ça, donc 1 à 3, sur ces trois-là. C'est pas la même molécule. Ça a l'air d'être bon pour l'instant puisque ça va pas reset. D'accord. C'est pas la bonne molécule. Exact. C'est pas la bonne molécule, mais pourtant ça met 3. Hein. C'est bizarre en fait, Zonzon. C'est super bizarre. Effectivement, c'est pas la bonne molécule. Tu peux me dire c'est quoi le truc là? C'est un puzzle à Via, mais on sait pas trop non plus. A priori, il faut paramétrer. Je vais baisser le son aussi. C'est un peu chiant là. A priori, il faut paramétrer. Il faut paramétrer chaque section de la bonne façon en fait. Je pense que les carrés à droite veulent dire. Quand est-ce qu'il faut l'activer? Dans quel ordre? Le truc, c'est que les carrés à droite, ils bougent en fonction de la molécule. Tu peux pas bouger l'un sans l'autre. C'est ça que je capte pas. Du coup, moi, je me fierais aux 3. Alors, si je mets la bonne molécule, à la place du nombre de trucs, ça serait... Y a pas.
Il n'y a pas la même molécule en fait. Ah. Par contre, c'est celle-là. Par contre, là, c'est bon, c'est 3 et c'est la bonne molécule. Donc en fait, ça serait. En fait, ça serait le dernier serait ici en fait. Là, ça serait bon. Et il faut 3 mesures de seringue. Voilà. Là, je vais reset à 1. Voilà. Donc en fait, la tête est bonne. Ça, c'est bon. La tête est bonne. Le torse, c'est bon. Et le troisième truc, ça serait pour le quatrième, en fait. Ça veut dire que c'est pas l'organe et que je pense qu'il faut regarder la bonne molécule, bonne organe. Oui, voilà, c'est ça, Zanjon. Donc ici, c'est bon. Donc, 1, c'est bon. 2, c'est bon. 4, c'est bon. Il nous manque ça, ça et ça. Regarde, c'est les autres, je viens de remarquer que chaque partie du corps n'ont pas les mêmes molécules. De mettre envers le mec à droite comme celui de gauche. Oui, probablement, bah. Tu lis les molécules selon marqué à droite. En fait. Hein? Est-ce qu'il y a un truc que je lis pas de ce que vous me dites là? Parce que. Je pense que les carrés à droite veulent dire quand est-ce qu'il faut l'activer dans quel. Ok, d'accord, compris maintenant. Zon. Un pull 2, c'est quand même si tu fais la. Les organes. D'accord, Zonzon. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que ça a reset? Ça n'a pas reset, hein, pour information. Les indices sont pas sur le même lieu. Ah! Voilà, faut trouver les autres parties manquantes. Merci, Koima. Lol, il faut retrouver les autres capsules en fait. D'ailleurs, d'autres capsules. On va retourner voir là. Je suis le dodo, bonne nuit tout le monde et bonne réanimation. Ça marche, Blacky. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Et bah content que ça ait marché vers la fin. Alors que ça ait marché vers la fin. Dans la salle, il n'y a pas 4 stases. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. S'il y a pas quelque chose là. S'il y en a pas. Dans la salle, il y a 4. Il y a une là. Avec le terminal. Il y a une là. Avec un terminal, et il y a 2 là. Ça fait 4, ouais. Sauf que la quatrième... Là, on a la tête. Ouais. Là, on a... Donc, ce qui, en fait, était les épaules. Le torse. Et là... On a donc le bassin, quoi. Et ici, il n'y en a pas d'autres. Pas d'autres. À droite, il y en a 2. Ah bon? Il y en a 2. Capsule de stase vide. Ok. Non, en fait, il y en a... Non, non, mais... Enfin, il y a une capsule de stase, mais il n'y a pas de terminal, en fait. Je crois pas, hein. Tu peux pas... là, tu peux... Tu vois, là où il y a la mimine qui fait ça, il n'y a qu'un seul endroit. Ici, c'est un œil. Ici, c'est un œil. Et je vois pas de... Je vois pas de terminal. Pas de terminal. Ça m'a frappé, la première... Quand on est arrivé aussi, je me suis dit, c'est bizarre. Il manque un terminal. Mais bon. Donc, on va sortir. Tout va bien, il faut juste les 3 autres parties, que personne ne panique. Ouais, je... Qui regarde sur le journal du mec qui écrit beaucoup, il me semble avoir un truc sur son écran. Ah! C'était qui le mec C'est lui? Non. Non, c'est moi. Ah! Est-ce que ça serait pas une molécule? Putain! C'est qu'est-ce qu'il y a? C'est Fugazi! Oh là là! Il me semble que le champ de force au centre scientifique s'est désactivé aussi.
Ouais, mais il faut quand même ouvrir la porte aussi, me semble-t-il, pantoufle. Ou on va aller voir, on va aller voir tout à l'heure. On va aller voir ça tout à l'heure, pantoufle. Ouais, je sauverai après. Donc, une photo. Il y avait deux champs de force, je sais pas encore visiter le deuxième. Ok. Donc ça serait. Le problème, c'est qu'on voit pas quelle partie du corps c'est. Sauf que on pourra reconnaître avec le nombre de carrés, c'est 4. Mais on sait pas combien d'injections. On trouve la partie du corps avec la molécule. Ouais, tout à fait, mais on sait pas combien il y a d'injections là. Ou alors c'est aussi 4 injections. Parce qu'en fait, voilà ce qu'on peut faire. Je vais quitter. Voilà ce qu'on peut faire. Hop, zone toi. On peut chercher une des parties qu'on n'a pas trouvée. Donc c'est celle-là, et celle-là, avec cette mo la molécule qu'on a vue sur le PDA. C'est une espèce de trapèze qui a pas l'air d'être là. Mais de toute façon, ça faisait 4. C'est ça. Donc c'est ça. Mais en fait, on sait pas combien d'injections. À moins que à gauche, ça soit un 3. Ah, c'est des gens, c'est pas. Non, je pense que c'est pour les jambes en fait. C'est quasi sûr. Maintenant, combien d'injections ça? Moi, j'en mets combien? On a le choix entre combien? Je suis entre 1 à 4. Je dirais que c'est peut-être 3 parce qu'il y a une espèce de chiffre qui on dirait 3. On va mettre 3 pour l'instant. 4 injections, tu penses? Ok. C'est possible, hein? C'est possible aussi, mais à gauche? Ouais, le 4 pourrait être là aussi. À gauche, il y avait une espèce de 3, en fait, il me semblait. Mais bon. Tu fais checker les autres, les molécules sont à chaque fois différentes. Il veut pas nous écouter. Comment ça, on n'écoute pas? Mais si, on écoute. Surtout avec le délai, c'est pas facile, les gens, je trouve des choses aussi en même temps. Enfin bon, ok, donc, faut retrouver d'autres capsules. Voilà, donc c'était où donc? Chronique. On va regarder les agendas électroniques aussi, des fois qu'il y a un autre indice dessus. Non, là il n'y a pas. Et là il n'y a pas non plus. Il faut sauvegarder aussi. J'ai vu quelqu'un qui avait dit sauvegarder, c'est pas faux. Sauvegardons. T'inquiète, le kiss, c'était pour tes chats. Ça marche, zozo. Tunnel détruite. La réception, je pense qu'il y a rien. Donc, il me semblait qu'il y avait un champ de force. Ah non, j'avais dû halluciner. Je pense que c'est les trucs jaunes là. Donc, ça, c'est fermé. On peut pas y aller. C'est clarinette. Donc, par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc c'est pas par ici. À moins qu'il faille retourner en dessous. Je vois pas trop d'où vous vouliez parler en fait. C'était toi, Pantouf, je crois. Il y en avait bien un, mais tu l'as désactivé. Ouais, c'est ce que je pensais. Ok. Donc j'ai pas halluciné en fait. C'est le champ de force ici qui s'est désactivé. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut ouvrir la porte. Et elle est fermée, là. Elle est fermée, la porte. Donc, faut la déverrouiller, en fait. Faut la déverrouiller. Ok. On va descendre. Il n'y avait pas d'autres pages.
au journal du mort, si, probablement. On a tout regardé normalement. Regardez normalement. On a des agendas partout là, donc. Ah ah! Bingo! Donc là. C'est 5. Avec cette molécule là. Ça n'indique pas. Et ça fait x1. J'imagine que le 1 là. C'est le x1. C'est donc cette molécule là une fois. Donc c'est une unité de. De seringue. On va aller mettre ça de suite. Faut pas l'oublier. Hop. On voit tellement bien que la tête d'Elki. Ah, je suis désolé. Ah oui. Des fois, les trucs sont devant, sont derrière moi. Désolé. Donc, je regarde. Donc, ça serait... Voilà. Potentiellement ici. Non, ça peut pas être là. Ça, on l'avait trouvé. 3, 4, 5. C'est celle-là. Et une injection. Donc, 1, 2, 3, 4 et 6, c'est bon. Il nous manque celle-là. Il nous manque la ligne 5. On peut y aller. On pourrait y aller au pif, mais bon. Il doit y avoir la, il doit y avoir la réponse quelque part. Il doit y avoir la réponse quelque part. Ok, on va retourner là-bas. Où est-ce que ça... qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? Il faut retourner dans le tunnel, je pense. Je pense qu'il faut... Ah, sauvegarde, c'est pas idiot, pomme. Go YOLO. Ouais, non, c'est pas drôle. Si on trouve pas, on ira par tâtonnement, mais... Ça se trouve, ça va être un truc graffé sur les murs. C'est bizarre qu'il y ait 2-3. Ah. Ouais, mais... tu trouves ça bizarre parce que tu parles du principe que... ton idée, c'était qu'il faut les faire dans l'ordre. Qu'il faut les activer dans l'ordre. Ce qui est pas idiot, hein, comme truc, mais si ça se trouve, les carrés, c'est juste pour... ça correspond juste à... comment, à la position, en fait, et la molécule, quoi. Je sais pas, hein. Moi, j'irais bien là-dedans, parce qu'il me semble qu'il y avait un agenda électronique, on va aller voir. On va voir. Là, voilà. Peut-être que sur l'ordi aussi. Allez. Tchud. Tchud. Tchud, hein. Tchud. Et là. Très mauvaise idée vu qu'il n'y a qu'un bouton pour activer ce terme. Bah ouais, c'était... non, c'était pas si con que ça, mais... Vas-y, Jean. Ok, donc moi j'ai envie d'aller voir... Par là-bas. L'ombre projetée par ce ventilateur est perturbante. Vous n'arrivez pas à déterminer si ce mouvement est réel ou bien s'il est le fruit de votre imagination. Me faire broyer. On va faire du jus de John.
mais par là. Je sais pas si ça va servir à quoi que ce soit, mais bon. On peut mourir dans ce jeu. Ouais, carrément, on peut mourir de façon atroce. Mourir horrible. Oui. Ok. Ouais, il peut aller jusque là-bas. Est-ce que ça a un intérêt, ça? J'en sais rien. J'ai pas l'impression qu'on puisse zoner, mais bon. Notre cher nudiste va-t-il savoir faire de la chimie? Dépend. Ouais. J'ai l'impression que je vais là pour rien. Ouais, pour moi ça sert à rien. Oh, mais on a des objets aussi, au fait. Oh là là! Partie du corps. Est-ce qu'on pourrait pas analyser cette partie de corps, du corps? Oh, bah ouais! C'est ça, il faut l'analyser pour voir ce qu'elle a reçu. Combien de doses et quel type de produit elle a reçu. Ah, je suis sûr que c'est ça. Go, j'ai trouvé. Bon, c'est un peu capillotracté, mais je suis sûr que ça peut marcher. Pas oublier, il faut aussi trouver du liquide de stase. Je pense qu'on peut trouver dans les chambres de stase. Une fois qu'on aura ouvert le hangar, on va récupérer un peu de liquide. Allez, avance, John. Merci. Après, ça va peut-être pas marcher. Hein. Allez, rentre plus vite. Si c'est pas ça, je rigole. Et bien, j'espère que ce sera pas ça, parce que j'aime bien faire rigoler les gens, Barricade. L'humour, c'est bien, ça rend heureux. Alors, maintenant, faut trouver une machine qui analyse. Je pense que... on avait ça. Ah si, ce sera quelque part ici. Machine médicale, genre. Non. Plateau chirurgical. Ah! Yes. Ok. Attends, là, c'est inoxydable. Oui, mais maintenant. Réceptacle organique. Non. Comment je l'allume maintenant? Machine, allume-toi. Obéis-nous. Sérieux? Vas-y. Il a une combi, donc pas de poils qui s'accrochent. Il s'est probablement rasé avant. C'est pas facile de ramper tout nu. Non, mais il est pas tout nu. Non, mais depuis le temps, sérieusement, vous devriez le voir. S'il était à poil, il aurait quand même une teinte de peau maladive. Putain, bordel de merde. Réceptacle organique. Faut que je fasse quoi? Que je tire dessus avec un pistolet non chargé? Non, ça va pas marcher. Machine médicale, y'a pas des... Obéis-nous, j'ai dit, mais oui. Ah, il est pas bleu, mais non, il est pas bleu. Il a une combinaison bleue. Le seul truc que je peux choper, c'est les réservoirs d'oxygène. Et... l'agenda électronique. Je vais pas reprendre l'agenda électronique, c'est débile. Voilà, c'est débile. Alors là, je comprends pas. Tirer avec un pistolet d'eau chargé. C'était pas mal comme réplique, non? C'était pas mal. On n'est pas chez Parsi, on peut pas sauver les répliques. C'est pas possible. Faudrait que quelqu'un le fasse. Donc je pense que mon idée était bonne. Je pense que c'est bon. Maintenant il faut trouver le bouton en fait. Putain.
Fuck. Bon. Sérieusement? Mais ça va pas. Matière organique raffinée. Ok. Matière organique raffinée. Réceptacle organique, par exemple. The MedTech surgical pot is not properly prepared for the selected program. Ah mais alors, non mais il nous faut une molécule, putain. Ah, je suis contre. Ah putain. Donc c'était ça, mais ça nous donne pas ce qu'il faut. Donc super, voilà, j'ai envie de dire super. J'avais une bonne idée, mais c'était pas la bonne. Ah, c'est super gore, hein, c'est super gore. J'avais même pas percuté qu'il fallait qu'il y avait un autre truc à mettre. Donc c'est bien, hein, on avance, mais bon, je sens qu'on va devoir le faire à la YOLO. Hein. Manque une barre verte où en fait, Avia, a priori, il faut remplir ça, le réservoir de liquide de stase vide, avec du liquide de stase. Et le liquide de stase, et ben évidemment, on va le trouver quand on ouvrira la capsule de stase vide, quoi, je pense. Je pense. GG le jeu, GG. Ça pour subir une opération chirurgicale foireuse, tout à fait. Pour le coup, t'as pas. Ouais. Y a pas un autre agenda qui traîne ou d'autres pages à tourner. Le truc, c'est que à chaque fois. Quand on regarde un agenda, en fait, tu vois. Voilà. T'as le tour de l'agenda et les pages, en fait, y a pas de dessin. Y a pas de dessin en fait. Le données personnel. Tu vois par exemple là, blablabla. Le mot de passe est Égide. Donc pas les portes de vos quartiers, c'est une confirmation. Et là j'aimerais bien que le mot de passe y serve aussi. Donc non, je vois pas. Je vois pas. Quand le perso du jeu déchiquette un morceau de corps et fait de la charpie, il est plus classe que toi. Je valide et j'approuve. Il y a une molécule à gauche, ouais, on l'a déjà en fait. On en a une, on a cinq là. Bon. Est-ce que sur les combinaisons spatiales... Alors, en fait, je m'attends à voir une molécule en gros peinte sur le sol aussi. Mais... Il me semble pas qu'on ait vu quelque chose de ce genre. Je pense que ça doit être dans une autre salle. Je crois que ça puisse être dans la même salle. Ah, c'est de là où on a regardé déjà. Donc là, il n'y a pas... Vie rapport, on a la même. Là.
Même. Y'a pas d'avis et rapport là. Continue de les tweets. Ce serait pas peint sur le mur. Non, ce serait trop. Non. On va regarder ici. Terminer le centre médical en fait. On n'a pas regardé si. Champ de force désactivé. Non, j'ai pas l'impression que là non plus. Hein. Si ça se trouve, c'est derrière ça en fait. Modiolo demandé en salle de stase. Ouais, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Hein. C'est ça qu'il va falloir faire, mais ça fait pas mal de combinaisons quoi. C'est gérable, hein. Je pense qu'en 5 minutes, en 5 minutes, on l'a fait. Mais si tu récupères les ossements, tu peux pas les scanner sur la porte. Il y a plus d'ossements à récupérer en fait là. A priori. A priori, on a looté déjà les ossements et ça nous a servi une fois. Et là, on peut pas les re-récupérer en fait. Donc je vais te dire non. Ça fait pas mal de combinaisons, mais je pense que c'est gérable. Si on s'est pas planté sur les 5 premières. I love Coca-Cola. I love Coca-Cola. Bon, je pense pas que ça là. I love Coca-Cola. Tu es retourné au tout début. Tu devais pas faire de la chirurgie sur toi, c'est pas toi le morceau qui manque. Pourquoi pas? Intéressant. Intéressant. On va faire de la chirurgie, mais pour ça, il faut pouvoir ouvrir la capsule, donc je pense pas. Hein? On peut plus aller là? Je peux plus aller dans l'autre pièce? D'accord. Pièce verrouillée semble pas avoir l'intention de s'ouvrir. Distributeur de Coca-Cola qui a renversé ce distributeur? Importe. Yeah, les câbles. Câbles. Une va se découper lui-même, ouais. Mais oui, on peut pas faire l'opération tant qu'il nous manque le liquide de stase. Aucun cadavre ne jonche le sol. Là, on peut pas. Sur le carré. Mur sont maculés de sang rouge sombre, mais le plus inquiétant reste l'absence de Maccabée. Ça sert à rien, je pense, de redescendre. Bon, ici, je pense qu'on est good et qu'on a tout vu, quoi. La réception, pareil. Ici. Ah! Sang. Sinistre éclaboussure de sang sur la vitre, diminue par la brillance des éclairs. C'est un tissu organique, c'est là où on avait récupéré le. C'était quoi ce bruit? Ça vient peut-être de chez moi aussi. Combinaison spatiale tachée de sang.
Ok, on va aller par là, voir. Bon, et qui va falloir me faire confiance? Ah bon? Je sais pas si je peux te faire confiance. Moi, je pense qu'on va aller tester quand même en mode YOLO, ouais, parce que je vois pas. Je vois pas d'autre chose là. Je vois rien. Pantouf, si t'as une idée, vas-y. Vas-y. Et sinon, ouais, bon, pour Pomme, ton idée, elle est pas idiote, mais pour ça, il faudrait que je puisse me faire charcuter, quoi. Ouais, je peux pas là. Rien modifier ici. Je peux rien modifier là. Bon, on va tester. Hein. C'est lequel qui nous manque? C'est celui-là. Hein. Il me semble. Donc on peut faire... ouais, ça fait beaucoup de combinaisons, c'est vrai. Après, qui nous dit que le truc se déclenche tout de suite, quoi. Et qu'il faut pas appuyer autre chose. Pour le dernier, je pense à deux injections pour la molécule numéro 2. C'est vrai que c'est moi, qu'est-ce que je fais après? What? Moi, je pense qu'on s'est planté, en fait. Moi, je pense qu'on s'est planté. Je pense qu'en fait, c'était pas bon. Donc, je testais un truc. On va voir. On n'avait pas encore deux injections et la deuxième molécule. Ah, ok. Ok. Logique. Alors, si je fais, mettons, 3 et 3. D'accord. Je me suis dit que c'était peut-être random.
Ok. Ouais, je voulais voir. Je voulais voir si c'était pas random en fait. Bien vu, pantoufle. GG. Je pensais qu'on aurait peut-être pu le sauver en fait. Et ce cri. Ce cri est magnifique. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je veux tester. Parce que j'ai pas vu d'achievement non plus. Je me suis dit, si ça se trouve, il y a moyen de le sauver et d'avoir un achievement Steam. Mais on dirait que non. Ou alors, il y a peut-être une autre combinaison. Faut le regarder sur le net après, sur une solution, si où se trouve le la solution en fait. Si c'est comme Pantoufle l'a fait, s'il y a une autre, il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Ok. Donc, une affreuse grimace est figée sur son visage pâle. Liquide de cryoconservation, dis donc. Comment ça tombe bien sur la chance du hasard. Hop. En fait, le truc voulait pas s'activer s'il n'y en a pas la bonne séquence. Ah, apparemment, ouais. Apparemment. Donc, on a ça qui est rempli. Ah ben, on va pouvoir aller se faire opérer. Youpi! D'ailleurs, les gens, dans 10 minutes, on arrête. Normalement, ça devrait tomber pile pour la fin du chapitre, j'imagine. Ouais, donc on a du liquide de stase maintenant. On prend ça. Mettre là. J'ai pas envie. J'ai pas super envie de me faire opérer là comme ça en fait. Ouais, je sens que ça va aller pour lui. Il y a des chances. Où est-ce qu'il va? Ok. Fais bien le grand tour. Hein. Bien le grand tour, John, au cas où. Le grand tour, en triangle, évidemment. Je vais surveiller, ouais. Oh là là. Hein? Pardon? On l'entend même pas crier. Qu'est-ce que c'est que ça? Be careful avec tout ce sang dans la salle, bah oui. RIP. Ah là, là là, c'est bizarre qu'il y ait un loading à ce moment-là. Non, c'est... Sur le coup, ça faisait... c'est la fin du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Fin du... Ah. Oui, ils l'ont fait en gros. Let your nurse know if you are uncomfortable so that you may be given medication and or other treatment. Faut que je fasse quelque chose? What the? Mais je sais pas moi! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais ça va pas à la tête!
Faut que je clique sur les trucs rouges apparemment. Aïe. Mais je sais pas. Non mais... Excusez-moi, je sais pas ce que je suis en train de faire. Ah putain, j'ai pas vu là. Ouais bah ok. Fuck, j'ai... Ouais, si... Oh, c'est beau. Essaye encore. J'avais pas du tout vu qu'il y avait un truc à gauche. Ouais, bien vu. Bien vu, barricade. Oui, je veux continuer. Ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Et sur le coup, cliquer sur les trucs rouges, c'est bizarre. Parce que pour moi, je me dis, bah, faut pas cliquer sur ce qui est rouge. Ce qui est rouge, c'est pas bien, quoi. Mais apparemment, si. C'est bizarre. On va essayer de le faire en moins mortel. Salut, Robin. Donc ok. Donc il a bien une combinaison hein. Il est pas nu hein. Donc ça serait... Hein ? Deux ? Trois ? Quatre ? Cinq ? Six ? Ah. Recours, 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 recours. Si. Il a une combinaison et en dessous de la peau. Aïe. Il est pas nu. Putain. Pardon ? Mais non, il est pas nu. Rip.
Ouais, il est nu sous sa combi. Oui, ça on l'avait dit, certes. Mais non, on lui a recousu la peau. Et sur les côtés, il y avait la combinaison. Ça se voit, nom de Dieu! Rebecca. Non. Rebecca. Run. Non. Rebecca. Run. Non. Rebecca. Run. John. Trying to contact you. I couldn't hear anything. I thought the worst. How long was I out? 2 hours. Okay. Alive. Mostly. Oh, fuck, my back is sore. 3 decks and you'll see your daughter. Focus on that. You should have enough drugs running through you to keep going for a few more hours. Brooks, I've never been a fan. But these are definitely the good ones. C'était pourquoi l'opération, c'était pour retirer ça. Matricule de données personnelles. En fait, c'est un truc qui est greffé sur les gens et qui permettent de passer les zones de sécurité ou non. Et en fait, de ce qu'on a lu sur un agenda électronique, les espèces de monstres qu'il y a dans le vaisseau en fait se servent de ça pour passer les sécurités en fait. Et du coup, ils ont tout reprogrammé, les humains encore vivants ont tout reprogrammé pour faire le contraire. C'est-à-dire que pour les systèmes de sécurité, tirent uniquement sur les gens qui ont ce truc-là d'implanté sur eux en fait. Puisque les monstres peuvent pas se le retirer, a priori. Voilà. Et c'est pas forcément des aliens, c'est, je pense, des créatures génétiquement modifiées, bizarres. Mais bon. Rester éveillé alors qu'on se fait découper, ça mérite le respect. GG le prof. C'est clair. C'est clair. Ah, il peut plus courir maintenant. Ah bah bravo. Est-ce que je peux pas me heal dans la machine médicale? Non, j'ai pas l'impression. Dites donc les gens. Je pense qu'il est temps de s'arrêter en fait. Malheureusement. Malheureusement, on va s'arrêter ici. Sauvegarder. Hop. Non, ici c'est très bien. Voilà, voilà. Je me demande si ça allait quitter ou pas. Eh bien, si vous avez regardé cet épisode sur YouTube, c'était Telkinou, c'était l'épisode numéro 3 de Stasis. Et je vous donne un rendez-vous, eh ben, au prochain épisode. Merci.